voulez, vous ne voulez pas du changement. J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche. Fais les valises, on rentre à Paris. Pour pendre les propriétaires et couper les curés en deux, je vais aiguiser ma dialectique sur des situations pendantes. As-tu résolu la question d'organisation ? Après, les conseils ouvriers seront réalisés dans l'autogestion générale. Siamo tutti antifascisti ! Siamo tutti antifascisti ! Le Politburo part en live. De la bière, de l'autogestion et du centralisme dans ton mardi. Est-ce que c'est mieux ? Dis-moi, Toby, si c'est mieux ou pas. Je crois que j'ai fait une connerie en faisant ça. On n'est pas prêt de faire la révolution, mais la révolution ne sera pas sur YouTube en plus. C'est bon, c'est mieux, Toby ? Ok. Bon, reprenons. Ok. Ouais. Salut. Salut. Ah putain, enfin. Alors, c'est chelou, c'était dites bonjour. Dis bonjour à Yamakawa. Eh, bonsoir. Salut. Pierre Mostokovic. Wow. Alors, donc résumons, on va faire le tour de qui est là. Donc on a coucou. Ticoud et nous, oui. Moi-même qui sommes anarchistes du coup, et nous avons Yamakawa et Mrs. Gris qui sont communistes. Nous allons être rejoints par Raymond qui est à la fois communiste et indépendantiste berrichon. Voilà pour faire le tour de tout le monde. Et invitation au voyage, tu vas partir au goulag hein, si tu continues. Toby, si tu veux t'amuser, tu peux le dégager. Toby, tu dégages invitation au voyage. Ouais, amuse-toi avec, fais ce que tu veux. Ce qu'on va faire, c'est. Je vous entends plus, les gars. Mais nous, on t'entend, gros. Merci. Ah, c'est le micro directionnel. Merci. Au goulag, c'est fait. Merci, Toby. Merci. Voilà. Comme ça, vous savez que la tendance suit. Du coup, on n'a rien préparé. Bah, je crois que ça s'entend. Hein. On voulait juste annoncer qu'on avait un nouveau jouet. Et que donc, on va lancer une semaine thématique sur uniquement les sociotraîtres. On visera personne, mais sur le chat, il y a invitation au voyage. Voilà, par exemple. Bah, il y est plus, il a été. Il y est plus, normalement il est kické, invitation au voyage. Et donc, on va vous faire une petite exclue. Ça va être. Bonsoir, Fef. Ah, le comité de Bordeaux du courant anarcho-stalinien est dans la place. Dites bonjour à monsieur Fef. Wesh, Bordeaux. Allez, Bordeaux. Salut, Fef. Ouais, Jean Gibier, là, change pas de pseudo, tu nous demandes tout le temps de chanter, on sait qui t'es, c'est bon. Jean Gibier, c'est toi le musicien, c'est pas nous. Hein. Et donc, avant d'être interrompu, je disais, on va vous faire une petite exclusivité. Parce qu'on fait genre, pour les vrais qui viennent sur le chat, on fait des exclusivités. On va vous présenter le visuel de toute beauté qui va sortir lundi. Alors c'est un visuel, est-ce que vous... L'avant-première de ouf. Ouais, une avant-première mondiale. Voilà. Alors j'espère que vous aimez les procès staliniens et la délation, parce que c'est un visuel qui est fait pour ça. Voilà. Alors je laisse le temps que ça charge, je vais vous laisser admirer déjà la beauté du montage et les skills qu'on a avec une tablette graphique. Never forget les procès de Moscou. Ah ouais, mais là pour le coup c'est l'autocritique plus ou moins forcée. Alors dites-nous, salut Jérusalem Ahmed. Alors, ouais, ça a l'air de vous plaire, dites-nous ce que vous en pensez. Donc on a pensé à peu près à tout au niveau traîtrise. Sur ce visuel, on a bien entendu pensé à l'UNEF parce que c'est les premiers sociotraites qu'on a croisés. On a, avec la mention emploi fictif à la LMDE, on a pensé à la CFDT. Et on a pensé au Parti Socialiste. Moi, je me demandais. Oui. Qu'est-ce qu'on va foutre de la CFTC ? Parce qu'on les met jamais, et pourtant, ils mériteraient des fois. Mais
la CFTC, ils parlent tellement peu, on les voit tellement peu que bah on sait pas quand est-ce qu'il faut taper dessus en fait. Ouais. Alors, Jean Gibier, cette espèce de sale troll, le PCF, on va avoir des anciens du PCF qui vont être dans notre liste de social threat qu'on va bâcher cette semaine. Devinez lequel c'est, je vous donne un indice, c'est Collier de Barbe. Si vous trouvez pas. Salut, c'est Calvin. Donc c'est un gentil petit visuel où vous pourrez dans les commentaires nous mentionner tous les social threats que vous connaissez. Jérusalem, Ahmed, tu es très perspicace, tu as compris qu'on parlait de Robert Rue tout à l'heure. Robert Merci Rue, Captain Robert Obvious. Rue, cette semaine, il va prendre 3 fois à peu près. Mm. Tellement on l'aime. Tellement on aime son swag de sa petite, de son petit collier de barbe et la radicalité de son message. Ah, et faux syndicat de la France. Et surtout... Ah ouais. D'accord aussi. 3 raisons à la chute du PCF, Mitterrand, la chute de l'URSS. Mitterrand, la chute de l'URSS et Bobu. Ce n'est pas faux. Pire, hein. Entre Mitterrand et la chute de l'URSS, je sais pas ce qu'elle fait plus mal en fait. On ne t'entend plus. Tu m'entends là? On m'entend? Bah en tout cas sur le live ils doivent m'entendre parce que ça encode. D'accord. Voilà. Du coup, bon, on vous a présenté, on va le remettre dans la soirée un peu plus tard, ce qu'on a préparé pour cette semaine. Mais ce serait bien qu'on communique un petit peu un peu plus avec vous. Dites-nous comment vous avez connu le courant, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, qu'est-ce que vous voudriez voir, etc. Qu'on tâte un peu le terrain. Nous sommes à l'écoute de notre base sociale. Tout à fait. Bonjour à Tristan Delmoder. Très anarcho-stalinien dans l'esprit, lui. C'est très dur à prononcer très vite, en vrai. Tristan, anarcho-stalinien, c'est une question d'entraînement. Il n'est pas maoïste. De qui, Jérusalem Ahmed. Charlie Hugo, bonsoir. Bonsoir, Charlie Hugo. Oh non. J'ai connu le courant dans une pâtisserie autogérée tenue par un Mao. Pâtisserie autogérée tenue par un Mao. Oh putain. Demolder. Il y a moyen de balancer aussi Talia au goulag direct. Ah oui. Sweet Talia. Oui. Là, c'était une très bonne idée. Faut l'envoyer au goulag. On va vous faire un petit au goulag rapide. Puisque l'intro ne se relance pas. Tac, bloqué temporairement. Allez. Et c'est le deuxième goulagisé ce soir. J'ai connu par intermédiaire de la section rennaise de l'international Maoïs Guevaris ou Axis de Sciences Po. Ben Rennes ils nous font pas trop chier à la limite. Rennes ils sont pas... S'il y a un seul truc à sauver dans les Mao Guevaris là, c'est Rennes. Sciences Po au pilori, tout à fait Didou. Exactement. J'ai connu par les tarés de Sud d'Orléans. Et de la JC aussi, on voit pas du tout de quoi tu veux parler. Nous ne voyons pas. Moi je m'en rappelle plus, c'est grave, c'est pas grave, Giorgio. Sud Tour, on en parle. Quel Sud Tour? L'époque où ils étaient Toto ou l'époque où ils sont tous communistes maintenant? Faut savoir. Hein. Parce que c'est pas tout à fait les mêmes. Jeune chrétien. Bah, pour la petite histoire, Jean Gibier. Le mouvement des jeunes communistes de France, MJCF, c'est exactement le même acronyme que le mouvement des jeunesses catholiques de France, MJCF aussi. L'apéro commence quand? Bah tu peux commencer maintenant hein. Ouais, moi c'est fait. Bah moi nous on a pas encore ouvert le pack là. Ceux d'aujourd'hui en ce moment, bah la JC de Tours, ils sont cool. J'aime beaucoup, même si vous parlez pas assez d'Ho Chi Minh. On a fait un visuel sur Bien Diem Phu, mais c'est vrai que les Ho Chi Minh, on en parle assez peu, ouais. Bon, on va noter. Ouais. J'ai pas de blagues sympas avec les Vietnamiens, en fait. Oh, j'en ai plein avec les Japonais, mais pas avec les Vietnamiens. Ah oui, d'accord, ouais. Demandez-nous des visuels sur les luttes... demandez à Yamakawa des visuels sur les luttes sociales japonaises, il vous sera servi, hein.
Solidaire, c'est quoi votre avis, Badeline? Discord est encore trop fort. Merci, Toby. Hop, je baisse un chouille. Solidaire, bah ça dépend, solidaire. Où, hein? Pizza. Ouais, ouais, je suis d'accord, mais pizza autogérée, par contre. Je suis chaud pour une pizza. Un visuel pour les 10 ans du CPE. Ah, c'est pas mal comme idée, ça. Moi, j'ai bouffé des pâtes au beurre. Bah... Putain, genre, je suis complètement solidaire. J'ai eu des pâtes. J'ai eu des pâtes à la sauce tomate. Ah, Yamakawa, on te demande de balancer des vannes sur les bouffons d'impérialistes japonais. On me demande des vannes de merde, mais sérieusement, vu le ton, ça m'intéresse pas, quoi. Un visuel sur le CPE, ce serait pas mal. Sans le CPE, je serais de droite. Tu frôles le goulag, là, Jean Gibier, hein, tu frôles, là. À la conscience de classe, ça vient comme ça, à la limite, ça peut se tolérer. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas ce que tu baisses pour le son Discord depuis tout à l'heure, mais ça change rien sur le live. Je baisse directement sur XSplit, Toby. Les pics sont affûtés, le ciel est rouge, les cols sont mao, les graphes s'y limitent, il est temps. Putain, tu donnes envie, Didou, là. Le mec est déterminé. Ah, mais Didou, la prochaine fois, tu fais notre intro, hein. Jean Gibier pique à glace, monsieur Fèvre, ouais. Direct. Jean Gibier de potence. Mais... Vous connaissez les mecs de VP? Lesquels, Jérusalem, Ahmed, les mecs de voix piolétarienne ou voix prolétarienne? Parce qu'on connaît les deux, mais faut savoir. Guéno, il est un peu marxiste, franchement, sans déconner. Nikogo qui nous suit sur Twitter. Ahmed Ahmad qui nous suit aussi sur Facebook, si je me rappelle bien. Et donc, voix piolétarienne, on connaît, mais on donnera pas d'informations. On sait qu'il y a des trotskistes du CCR partout, avec des grandes oreilles. Du coup, on n'en parlera pas. Ouais, bah oui, bah tu sais très bien, Pierre Moscou, qu'on ouais, connaît. Ouais, œil de Moscou, ma gueule. Oui, on a un moscovite. Un visuel pour le CPE, c'est pas mal. On va faire ça. Je sais plus qui a lancé l'idée, mais on va faire ça, un visuel du CPE. VP n'aime pas Dzerzhinsky. Ah merde. Ah, c'est emmerdant, ça. Comment on peut pas aimer Dzerzhinsky? Putain, mais Dzerzhinsky, quoi. Merde. Comment? Le swag de cet homme. Putain. C'est quoi le CPE? Ah, c'est la dernière victoire du mouvement Oula, social. Oula, lui, il est jeune. Ça, c'était il y a 10 ans. C'est quand je commençais à militer. Ouais, pareil, c'était mes premières manifs. C'était sympa, ce petit séjour en Sibérie. Merci, les gars. Tu t'es bienvenu, hein, Sweet Alja. Quand tu veux, t'y retournes. De rien, gros. C'est quoi le problème avec le CCR, en vrai? Bah, c'est des trotskistes. Bah, oui. C'est tout. Il y en a un qui... Arrête de souffler comme un bœuf, toi. Eh, mais ça va. Je sais pas trop comment exprimer autrement le cas. Bah, autrement, ouais. Que c'est compliqué. Et long. Et c'est une très très longue histoire et très très compliquée. Ouais. Bon, on va laisser tomber le sujet du CCR pour ce soir. Ils sont pas drôles. En plus, ils ont une absence d'humour totale. Voilà. Il y a toujours pas de place dans les camps de vacances de Tirana. C'est toi, Adrien Achat, qui voulait qu'on l'envoie à Tirana. Il nous a envoyé des messages, il nous prenait pour une agence de vacances, le mec. La Sibérie, soi-disant, c'était trop froid. Bon, ça devrait être mieux niveau son. Alors, les Trotskis, c'est des gens cool, ok. Mais tu t'es perdu, Jérusalem. Je suis là, féministe fécateur. Je suis là. Et je me fais contredire par un mâle blanc 6-7. Du coup, je vais pas tarder à me munir de mon sécateur. CSP au goulag ou pas? Laissez CSP où il est. Voilà, bon. SP en fait. Comment? C'est quoi CSP? J'ai jamais CSP, compris ce que c'était. Comité de salut public, c'est un compte Twitter. C'est un ancien du NPA, autant que je me souvienne. Ah bah goulag. Bon voilà, on va dire goulag parce qu'ancien du NPA, que le NPA... Ça dépend. Quand il a quitté le NPA, il a fait une autocritique. Il a pas fait d'autocritique, bah c'est pas goulag. Le genre à faire des autocritiques.
Ah oui, je vois, mais il s'était barré, mais c'est pas lui qui avait fait des listes sur Twitter aussi ? Si, c'est lui, ouais. De militants ? Ah putain, ouais. C'était, un peu, c'était sale. Il a nié les avoir fait, mais voilà. Comité des sans-papiers. Ça sonne un peu mieux, ouais. CSP... Les embrouilles Twitter, ça sert tellement à rien. C'est comme les embrouilles du syndicat étudiant. C'est fatigant au bout d'un moment, si tu veux. Ça nous fait marrer 5 minutes, mais au bout d'un moment, c'est blasant. Pourquoi c'est Trangen contre les trotskistes ? Je sais pas, Kronstadt, la Macrochina peut-être ? Parce qu'on les hait ! Parce qu'on les hait ! Parce que c'est des connards qui passent leur temps à scissionner, à foutre la merde. Mais pas comme les anarchistes. Mais pire que les anarchistes. À foutre la merde, mais pas pareil. C'est pas pareil. Dites-nous d'où vous venez, qu'on voit à peu près d'où vient notre public, géographiquement parlant. Le son est parfait. Merci Toby ! Oui, c'est cool. Les totos sont des connards, ça dépend quelle époque tu prends. À cause de leur petite barbe. C'est vrai qu'ils ont une tendance à porter une... Mais sans déconner, sur les militants qu'on a, les vieux de la vieille chez nous, ils ont tous le petit bouc à la Trotsky, quoi. C'est risible, c'est comme si j'avais une barbe. Et donc, dans quelques instants, on aura un représentant des Brigades Rouges Berrichonnes. Les anards sociotraîtres. Non. Oh non. Non. À tous. Entrez, Robert... merde, Raymond. Raymond, il est pas bon. Tu sais pas qui c'est, Raymond. Tu saurais qui c'est. Tu dirais pas ça. Ahmed Abad qui dit qu'il vient de la commune de Paris. Bien. T'as survécu au Mont-Valérien, c'est cool. Oui. Bonne vieux. Ah, il a ramené de la bière. Raymond. Ah, mais Raymond, tu le connais, mais tu vas reconnaître sa voix, Pierre. La. Oui, il y a Pierre Moscovi sur le live. Raymond, dis bonjour à Pierre Mosco. Ça va-t-il, mon gars ? Vous l'avez entendu, c'est bon ? Ah ouais, on l'entend. En fait, ouais, je crois qu'il y a masse de Lillois. Là, on a Damien Chart, on a Monsieur Desmolder. Ah bah, vous m'achetez du syndicalisme, allez. Ah non, pourquoi c'est pas syndicaliste, sérieusement. Raymond, le garant de mon cœur. D'amour. Mais ça va bien, Raymond. Tiens, c'est toi. Des hommages. Qu'est-ce que vous pensez de Bernard Friot ? Raymond, dis-nous ce que tu penses de Bernard Friot, là. Oh, bah ma foi, c'est un bon gars, celui-là. Je l'aime bien. Il ira pas au goulag, celui-là. Attends, c'est celui avec la théorie du salaire à vie, c'est ça ? On devrait pas avoir à poser cette question-là. On devrait le savoir. Tu vas au goulag, toi, direct. Non, non, c'est, tu ne contactes pas les autres admins au goulag, c'est pas possible. Non, non, on se goulagise pas entre nous, c'est les bases, sinon l'autogestion ne fonctionne plus. La foutre, moi. Bon, on va avoir une scission berrichonne. Ah, Yarzon, on fout tout le monde au goulag, sans branle. On sait le goulag. Comment ? Yarzon sait le goulag. Ah, pas tout à fait. Franck Lepage, il est cool. Franck Lepage, il a un petit peu trop de sympathie pour Chouard à mon goût, mais il fait des bons trucs. Franco-anarchiste. Mais je comprends pas. Bah ouais, je sais pas, parce qu'on est on a tous français, on a tous les papiers en tout cas de l'État français. Tu veux dire, quand est-ce qu'on parle de théorie anarchiste patriotique ? Ça n'existe pas. Enfin, si ça existe, mais c'est de la merde. Rien n'est pas très anarchiste. Bah écoute, Quentin Désiré Dubois, si tu veux une discussion théorique, lance-la, hein. Ah, bonjour à Julien Cazeneuve. Oh, le bel homme. Ah, y a tous les potes qui se ramènent, en fait. C'est soirée à la maison. Je préfère les chansons de Lavilliers à celles de Franck Lepage. J'ai jamais entendu Lepage chanter. Charlie Hugo vient de vous rappeler les bails, on critique pas bien. On parle de la praxis. On en est en pleine lettre praxis. Bah oui, c'est pas faux. Le matérialisme dialectique, tu t'adresses à des anards, donc à une partie aux anards, donc on laissera les cocos répondre à ce genre de questions, parce que nous, voilà. Sur la dialectique matérialiste ? Oui. Bah si tu veux, moi je prépare une brochure théorique, je peux pas répondre tout de suite. On verra après.
Alors, on a oublié de vous préciser, Yamakawa est un des représentants de Alcoolisme et lutte des classes et Makhnovchina et Stalinisme du terroir. Et il nous prépare, dans les choses qu'on prépare, qui arriveront pas cette semaine par contre pendant la semaine thématique, il nous prépare une brochure thématique, de, une brochure théorique de Alcoolisme, lutte des classes et Makhnovchina et Stalinisme du terroir. Donc l'alcoolisme et du terroir et ses applications théoriques. Attendez-vous à quelque chose de très grave. Non, par contre, je suis d'accord avec Charlie Hogo pour dire que la vanne de Jésus est excellente. D'accord. Est-ce que vous entendez bien le collègue Raymond? Sinon, Proudhon, Goulag ou pas? Oui. Ouais, quand même, ouais. 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 On fait un vote. Ouais. Mélenchon expliquait qu'il voulait fonder le refonder le matérialisme historique avec son socialisme écologique. Bah ouais, bah, écoute, il y va, on regarde. Richard Stallman pour ou contre? Pour, bien entendu. Il a une belle barbe, Richard Stallman aussi, ouais. Castration avec des ciseaux rouillés pour Proudhon. Ouais, puis après... Sois mort. D'abord, il faut lui retirer le prépuce parce que ça le ferait chier encore, ça le fera chier encore plus, tu vois, d'abord. Nope, le micro est en PLS, merde. Alors, un petit réglage micro. Il est pas en position latérale de sécurité là. Il se tient bien debout hein. Ouais ouais. Oh là. Le jeu goulag ou pas goulag. Les refs goulag ou pas goulag. Les refs. C'est quoi ça les refs? Merde, c'était qui déjà? Oh, si on sait pas qui c'est goulag. Si on sait pas, on va dire goulag. RMS, il est bien. Qui ça, RMS? Ah, Stallman, d'accord. Goulag aussi. Non, Stallman, pas Goulag. Cela par défaut, Goulag. Comment? Faux Goulag. Faux Goulag. Damien Chart envoie des cœurs. Goulag. Non, Damien Chart, il est bien. Yerof. Il parle aux universités d'été du parti, il fout même pas le bordel. Chef du NKVD pour un grand terreur. Bah non, pas Goulag alors. Mais je crois qu'il est un peu mort. Hein. Lui aussi. Oui, non, mais il peut divulguer des informations. Les boubous marxistes Goulag. C'est bizarre, les boubous marxistes. C'est qui va mettre de l'ambiance dans les manifs? Je pense que tu serais pas le Pirac par hasard, Tovaris du Turfu. Parce que je pensais poser ce genre de questions, on dirait bien le Pirac en fait. On demande à Raymond s'il aime les cœurs. Absolument pas, ça mérite. Alors, Pierre Laurent, goulag ou pas? Là, je pense qu'on va avoir. Certainement pas. On va avoir Pierre Laurent, goulag un ou pas. Consensus. C'est Jérusalem Ahmad. Et le ben dance goulag. Hall au goulag. Le dance hall, c'est goulag. Ah, ça oui. À petite dose. Abusez ça va. Pas, c'est cool le dance hall. Vous êtes en train de provoquer des tensions internes là. C'est quoi le dance hall? Non, je suis pas pirate, d'accord. Le goulag au goulag, ouais aussi. Ouais. Ah bonsoir Raymond. Bonsoir la mère Petri. Non, Mrs. Gris. Merde, Death Soul, c'est trop bien. Apparemment, quand... est-ce que t'as bougé le micro J'ai pas bougé le micro. Non. Il faudra peut-être que je leur... Parce que Tom se propose de passer avec du scotch, il faut le réparer. Ouais, il peut faire ça, ouais. Ouais, peut-être le mieux l'orienter là, parce que comme c'est un truc directionnel, on a pas de mal. Aucune voix féminine, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de femme non plus dans le chat. Est-ce une réunion non mixte? Hé, hey, je suis là! Julien Cazeneuve, tu sais qui va te mettre une tarte pour avoir dit ça? Hein? Tu te rappelles le féminisme sécateur? Il a dit quoi? Il dit qu'il n'y a pas de fille. Le sécateur que tu m'as offert d'ailleurs? On en parle? Une réunion non mixte dans le mauvais sens. Faut arrêter, non mais on offre des sécateurs et après on se fait menacer de castration, c'est quand même fou ça. Goulag. Didou, il est resté en bloqué goulag là. Bande de babtou fragile, c'est parce que vous savez pas sans danser que vous dites que le dancehall au goulag. Alors, il y a peut-être du vrai, effectivement. C'est les bières que j'avais. Je t'apprendrai. C'est plus. Et donc ce soir, on boit de la levrette, du rince cochon et de la cochonnette. S'il y a une femme, elle est trop glorieuse, je suis tout à fait d'accord. Oh, qui a dit ça? Bah, devine, c'est De Castro ou Margot. Qui ça peut bien être? Oh,
Il y a vraiment tous les potes sur le live ce soir. Alors, ce qu'on peut faire aussi... Même Charlie Hogo. Manifeste-toi, Charlie Hogo. Charlie Hogo, écrit quelque chose, le Politburo te l'ordonne. Au goulag ou une balle sur le goulag autogéré. Ah, vous voulez assassiner le goulag avec une balle autogérée? Attends, non, je suis perdu, là. Vous m'avez cassé la dialectique, les mecs, là, j'ai mal. C'est pire que le grand écart. Ah oui. Non mais on vous entend au micro, là, déconnez pas. Vacances en Albanie. Alors, on va essayer de vous mettre, on va essayer de vous mettre un petit peu de son. On va faire en sorte que ça masque pas tout le monde. Mais du coup, et faut voir si le processeur il tient le coup aussi, parce que ça il est en PLS là déjà. Mais je vais essayer de vous mettre effectivement vacances en Albanie en fond, que ça nous fera un petit break sonore. Hein. Hop. On vous met au goulag ou alors... Ah bah on peut faire une pause musique là. On va faire une pause musicale et technique, ne partez pas, on revient. Bah non, à la limite, il y a que nous trois qui ont un break technique, donc les deux peuvent continuer, les camarades qui sont pas Yamakawa et Tikut, vous pouvez continuer à animer le truc. Yes. Ils vont cramer le processeur, il chauffe très fort le truc. La pire des radios libres. Alors. T'as jamais écouté Difool, toi. Comment ça, la pire des radios libres? On est trop swag. Grave, on gère beaucoup trop. Alors. Qui est-ce qui fait des rêves érotiques avec Robert Hue? Putain, c'est quoi cette question de merde? Alors là, c'est chaud. Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Radio Pierre Foot. Alors ça, c'est oui, j'adore cette comparaison. Oui, à la limite. Un futur habitant du goulag. Oh putain. Ah là là. Ça va les gars. C'est qui le trotskiste Jérusalem? Qui est trotskiste? Alors Marceau Goulag. Alors ça pour moi c'est oui. Oui, Marceau Goulag. Le mime Marceau? Presque. Presque. Oh, merde. Non, c'est un mec qui fait des BD, notamment il a une page Facebook où il est assez actif. Non, pour moi, c'est un truc qui est liké par pas mal de faf, etc. C'est pseudo-subversif, non, c'est Goulag. Ok, bah Goulag alors. On fait confiance aux camarades. Putain, faut le déterrer. Est-ce que tu as une blague, camarade? Une blague? Oula, je suis mauvais en blague. Non, j'en ai une, elle est ultra référentielle. Vas-y. Alors, c'est dans une réunion politique du Kakumaruha. Il y a un mec qui fait « On va faire une réunion unitaire. » Ni. Elle était cool, ma blague. Ouais, elle est pas mal, ouais. Mais c'est quoi cette mode de demander un tel au goulag? Alors oui, monsieur mondialisation. Et au goulag. Non mais c'est pour clarifier les positions et pour savoir qui est-ce qu'il faudra purger le moment du grand soir, quoi. Là, tous les gens qui nous suivent, ça va être le cœur de la Tchéka, tu vois. J'avoue. Ça fait déjà 26, on peut faire une petite section. Ouais, c'est déjà le soulèvement des masses, hein, 26. Ouais, presque. Une toute petite masse, mais... Ça fait un faux coup. C'est un aveugle, il rentre dans un café, puis dans une table, puis dans une... Non, c'est le validisme, franchement. Oh là là. On va se faire engueuler, on peut pas laisser passer ça, quoi. Personne pour le kicker un petit coup? C'est toi la masse, oui. Oui, complètement. Total. Je suis une masse à moi tout seul. Là, Quentin, navré de t'avoir fait découvrir. Hein.
Désolé. Alors, on peut déjà prendre le Conseil Général de la Creuse à 26. Alors, de une, certes. De deux, est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. C'est un peu comme essayer d'envahir la Mayenne. Enfin, je vois pas l'intérêt, quoi. Grave. Ah, y a des gens qui aiment de Mayenne, là? A priori, ça va. Bah, les gens de Mayenne n'ont pas de connexion Internet, donc je pense pas qu'on les trouve ici, quoi. Oh, c'est pas faux. Ça fait un... Ah, je suis assez d'accord, ouais, pour l'Orne, la Mayenne et la Manche. Ouais. On peut rajouter la Haute-Saône aussi. Et personnellement, je vais rajouter la Meuse. Je comprends. La Meuse et la Haute-Marne également. Ah non, il y a des camarades en Haute-Marne, arrête. C'est trop cool. Il y a le parti Jouge de France aussi, ils sont basés là-bas. Merde. À Chaumont. À Chaumont, c'est le turfu. Ouais. On est de retour, est-ce que vous nous entendez bien? Ouais, salut. Ouais. Ah bah ça marche, ok. Et donc, vous avez loupé dans le chat, mais il y a Damien Chart qui voulait absolument raconter la blague du train soviétique. Et il faut que Damien Chart raconte la blague du train soviétique. C'est un ordre. Ah, vas-y. Le Politburo te l'ordonne, Damien. Personne ne vient de Mayenne, cette région est une légende urbaine. Le juge. Ouais, le juge, c'est sympa, ouais. Vive le juge. Chariogo, il a donc. Le grand. Allez, ça part. En commentaire, ouais, en commentaire. J'ai envoyé une lettre au juge, sans déconner. Oh, il fait ça timide, là. Hein. Enfin, son timide, pardon. Je prends la meubrie. Utilisation élevée du processeur, il fait chier. Vous avez 3 jours. Ouais, non, peut-être en fait, on va oublier en fait Damien Sharp, c'est pas grave. Donc du coup, je sais pas s'il y en a qui sont arrivés un peu après, on est combien là, 27. Je vais remettre notre superbe exclusivité parce qu'on ne veut pas venir les gens pour rien. Le prochain visuel qui débute donc la semaine thématique des sociotraîtres, qui va sortir lundi soir, vous allez pouvoir vous amuser en mode procès stalinien, c'est ça. C'est Mancio la social traître. Et on compte sur vous pour mentionner tous les sociotraîtres que vous connaissez, y compris que vous connaissez que de noms, et nous faire un sacré buzz sur la page. Comme ça, ça facilitera la purge. Plus on a de noms, plus on envoie d'autres gens au goulag, plus la révolution sera efficace. On compte sur vous. Surtout les trotskistes. Ahmed Ahmad, l'international handicapiste, désapprouve la blague validiste avec du retard. C'était quoi la blague validiste? On va éviter le validisme, mais j'ai pas fait gaffe, je t'avoue. Bon, on l'a pas validé non plus. Hein. Ouais, on a bien voulu le kicker, mais. Et c'est pas nous qui avons les droits admin. Alors, c'était qui Tu... Oh, mais c'était Pierre Moscovi. Pierre Moscovi. Ouais, c'était lui. Tu vas avoir des petites claques humiliantes sur les fesses, Pierre Moscovi. Pierre Moscovi, le politburo va venir foutre la merde à ton anniversaire, hein. Tu vas morfler pour ton validisme. Tu sais ça? T'as refoulé le validisme. Un avis sur la CNT. J'ai envie de dire Jérusalem Ahmed, laquelle? Oui. Le bar, la chaise. Ah ouais, non, c'était mauvais. Ouais. Bah bon. Si c'est la CNT de Metz, c'est carrément ouais. Ouais. La CNT SO, c'est cool. Politburo de merde. Alors, Jérusalem Ahmad, tu vas faire un petit tour, hein? On va revenir. Alors. Hop. Bloquer temporairement l'utilisateur. Voilà. Hop. Et pendant 5 minutes, Jérusalem Ahmad, tu te tais. Voilà. C'est 5 minutes. C'est 5 minutes, le Théo, sur YouTube. De toute façon, moi, j'étais pour l'envoyer au goulag. Pour l'AFA, le goulag est certain. Ça dépend quelle section de l'AFA. Ouais. Comment... Regard noir, etc. Ils sont pas mal, tu vois.
Ah bon, après, ouais, bon, ça sert un peu à rien, la F1. Faut dire ce qu'il est. Vous détirant. Putain, il en perd ses mots, monsieur Feff. Vous détirant, j'aime. Camoulox. Comment on fait pour Comment rentrer fait au Politburo rentrer. Le Politburo est un groupe d'inter. Tovaris du Turfu vient de marquer un point là. Emma Goldman qui est évadiste. Si je peux pas danser, je peux pas être dans ta révolution. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'un pays non francophone, nous demande Giorgio Vader. Signalez-vous. Des quoi? Notre position sur l'urophilie. On a dit un truc sur l'urophilie? Était peu clair. Veuillez exercer. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, c'était quand j'avais une voisin chelou, là. Ah oui, oh la vache. Non, en fait, le truc, c'est qu'on n'est pas contre l'urophilie, on est contre les murs à papier à cigarettes. Ce qui n'est pas la même chose. Le Nord-Pas-de-Calais, vous êtes cons, les mecs. En pays non francophone, le Nord-Pas-de-Calais. C'est vrai qu'ils parlent pas français, là-bas. On a une blague de communistes scientifiques. La CNT, le jour où ils découvrent la mitose humaine, ils scissionneront avec eux-mêmes. Ouh. Attention, on a du level. Trop compliqué, je l'ai pas. Julien Cazeneuve, c'est l'homme le plus drôle du Loiret. Faut savoir. L'Occitanie. C'est toujours ça. Ah merde, on a des. Oh, ça y est, on a des. on a des indépendantistes occitans. Il y a bien des putain, genre servir le peuple et tout ça. Oui, 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 c'est pas faux. Aussi. Est-ce que les indépendantistes occitans sont des indépendantistes excitants, nous demande le reste du Politburo. Nous avons des ça blagues de qualité, nous avons une commission. Bon, servir le peuple, il me fait pas envie, quoi. Servir le peuple, ouais, non, il est relou, il est bon. On va peut-être pas fan de servir le peuple. Bah ouais, tu m'étonnes. Bah connaissant tes positions, Junior, ça m'étonne pas trop. Non, pas fan. En ce qui me concerne, en tout cas. Les autres, je sais pas. Je préfère servir le capital. Ah, j'avoue, c'est une question de goût. Non, mais c'est le mec, il est à donf dans le. Enfin. Et dans l'indépendantisme et dans le maoïsme, alors ça fait un truc assez bizarre. Isvan Kirchner qui nous propose que Julien Cazeneuve fonde la section humour et génie génétique d'ici la fin de la soirée. Le Politburo est pas sûr d'approuver là. Ça dépend, s'il fait une section 1-1, pourquoi pas. Ouais, ouais, pourquoi pas. Occitan va la cruche qu'à la fin, elle se brise. Oh putain. Oh putain. Là, là, là. Oh là là. Tristan, on va être obligé de te ban là, c'est pas possible. Les indépendantistes, on les attrape, on les déporte, on les fait revenir, on les déporte et là-bas, on les fusille. Non. Non. Alors, pas les indépendantistes berrichons, alors. Foucault mérite-t-il de rejoindre Solzhenitsyn? Je ne pense pas, Didou. Oui, mais est-ce que c'est son dernier mot aussi? Est-ce que c'est son dernier mot à Solzhenitsyn? Hein? 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 Section génie génétique, ok, si on réhabilite Lysenko. Je suis d'accord, mais alors ça va nous vers des hybrides un peu chelous quand même. Hein. Enfin, s'ils réussissent à faire des hybrides déjà. Vive les indépendantistes, sauf les Alsaciens. Ah, Ahmed Ahmad a un truc contre les indépendantistes alsaciens, alors. Indépendantisme, c'est sexy, ça dépend lequel. Hein. Ouais. Je... Tristan Desmodères qui nous propose que Foucault soit capot, comme ça il pourrait surveiller et punir. Bonjour, blague de gauchiste intellectuel. Je la trouve particulièrement bonne, tu te rattrapes Tristan, là, c'est bien. Oula. Mais t'es au PG ou quoi, monsieur Feff? Vive le jacobinisme total, mort aux indépendantistes. Ah, il y a Pierre Moscou qui demande si Ahmed Ahmad aime pas la choucroute indépendante. Il y a des fils ou filles d'ouvriers ici, oui. Voilà, Jean Gibi, on vient de te répondre. Occitanie autogérée, dehors les gens du Nord. Ça y est, on a trouvé serviteur le peuple là. Je suis pas au PG, je suis stal. Mais c'était une blague, monsieur Feff, on sait que t'es pas au PG. Au PG, ouais, ils sont tous partis en pleurant. Là, il a été touché dans son amour propre. Moi, Jean Gibier nous dit, Georges Vader, oui, qui est fils de fille d'ouvrier. Rencontre les fils et filles d'ouvriers les plus chauds de ta région. Sur le oh non. Pourquoi est-ce que Margot de Castro dit... Ah oui, et Margot de Castro aussi, oui.
Un indépendantiste picard, putain, je savais même pas que ça existait, ça. Alors attends, Tristan, là, je crois que c'est une référence à comment il s'appelle ce groupe déjà là. Les Fatal Picard. Mais Tristan et merde, Picard, ça, si vous vous souvenez bien. Ça, c'est chaud. Bonsoir. Le Loiret indépendant, ouais, pff, t'as vu la composition du Loiret, t'as envie de rester bloqué avec eux, toi? Le Berry indépendant, le Loiret sera annexé. Rennes indépendant, mais Rennes, la Bretagne indépendante, ouais, mais Rennes veut faire partition de la Bretagne, Jean Gibier. Est-ce que Margot de Castro... Ce qu'on peut faire, c'est bah, oui, dans la mesure où mon ordi tient, c'est moi qui live du coup, proposez-nous du son à passer. Proposez-nous un morceau. Alors vous pouvez pas, je vous préviens direct, vous pouvez pas poster de lien directement dans le chat, ça vous empêchera de le poster. Donc donnez-nous le titre, et nous on en choisira un. Brassens. Je suis chaud. Salut Arthur Bartolion, t'as pas vu encore? Pas de Ferra, nous dit Quentin. Je suis chaud aussi. Comment ça, pas de Ferra? Toi, au goulag. Vladimir Ilyich de Michel Sardou, c'est Niette. Nizan. Alors, elle est pas aussi vite. Oui. Alors, Group Your Room, c'est un peu chiant, hein. Pardon. Hein. Salut. La Soviet Marche de Red Alert, ça passe. L'appel du Grand Lénine, c'est bien. Rossé, ouais. Mais que faire? Didou. Didou fait des blagues de léniniste, attention. Ah, Girls and Panzer, Katyushka, ouais, pas mal. Très très bon choix. Ouais, on met Girls and Panzer. Du Canada, oui. Ok. La version de Deezer, bien sûr. Non, bon, pas la version de Deezer. Oh, t'abuses. Un petit interlude musical, je vous ai balancé le lien dans le chat. On n'a pas balancé la version qui dure 10 heures parce que, bon, au bout d'un moment, voilà. Et c'est surtout qu'il faut qu'on économise les capacités de mon PC parce que ça risque de faire du. Ça risque de surchauffer là. Il me fait des alertes tout le temps comme quoi j'ai pas assez de mémoire. Bon. Je vois qu'il y a un débat sur Fallout. Fallout, c'est petit bourgeois. Non, Fallout, c'est pas petit bourgeois. Je suis désolé. Non, pas commencer comme ça. Ah, si, si, si. Je veux dire que ça y est, c'est déjà la scission. Vous scissionnez pas, hein, on purge. Hein. Ce serait pas comme ça. Hein. On prend chacun un Makarov, on se tire dessus, et comme ça, les contradictions internes sont réglées. Hein, c'est comme ça qu'on fait. Alors, okay. Ludwig, les Nagants, Makarov. Comment? C'est plus wag. Je préfère les Nagants, c'est beaucoup plus wag. Non, mais tu veux un Nagant parce qu'en fait, t'es un fourbe et que tu veux nous tirer de loin. Hein. Je te vois bien venir avec le Mosin. Oh là là, tout de suite. Ouais, non, il veut pas une arme cool, de poing. Les Nagants. Hein? Cool les Nagants. Ouais, ouais, c'est cool. C'est de la longue portée, ne te fous pas de nous. moi je voyais le Mosin Nagant, ouais. Si tu veux, le modèle sniper. Le modèle qui a fait des dégâts à Stalingrad. Modèle normal, celui qu'il y avait dans les ghettos de Varsovie. Ah oui, ok. Mauser Broomstick. Un Mauser, tu vas jarter, Giorgio. Mettez Chevrolet. Non, pas encore, Charlie Hugo. C'est bon. Alors, Chevrolet est préféré de Staline, si on suit le chat. Giorgio Vader nous dit le préféré de Staline. Il répond, il est juste derrière Charlie Hugo qui nous dit mettez Chevrolet. Historien, on peut pas vérifier cette information. Le Mosin Sniper, faut compter 800 euros. Ce qui nous inquiète un petit peu, c'est que tu t'es renseigné, là, Julien. Petit cheminot. La chanson du dimanche. Je sais pas. Alors, il y a Tristan qui nous pose une très bonne question. C'est pourquoi avoir un gun quand on a une Katyusha? Oui, forcément. Bah, ça dépend de la distance de l'adversaire. Non, il y a pas de distance en Katyusha. Plus c'est prêt, plus c'est drôle. Le triomphe de l'anarchie. Les quatre barbus, ouais. Et Trotsky, pas de voyous dans mon bar. Non, Trotsky, non. Non. C'est rigolo, mais non. Staline Orphazer, le chancelier du KPRF russe, elle est bien. On mettra peut-être celle-là après. Mais pour le moment, plus un triomphe de l'anarchie, tu m'étonnes la marmite avec un blast pareil. Les binamés, oh non, sérieux. Les enfants de Cayenne, ouais. Oh oui. Pourquoi pas. Les enfants de Cayenne, je vais faire une pause délestage de bière.
Et je vous laisse soin des deux autres admins. Hop. De Yamakawa et de Tico 2. Yes. Les enfants de Cayenne. Non, pas les enfoirés, les enfants de Cayenne, sérieusement. YouTube. Toute la vie. Ces des mots, ça veut rien dire. Chanson de Punk à chien, toi le Punk à chien, j'en dis bien. Pour répondre à Giorgio, on a noté quelques questions. Et bah, le mieux, c'est encore qu'on en débatte maintenant. Alors, on va passer aux questions. Alors, j'en ai relevé que deux en même temps. Ça va être, simple. On a Alexandre Sénescal qui nous disait « Je voulais savoir si la lecture de comics ne faisait pas de moi un suppôt impérialiste. » Non. Bon, ça va. Non, hein. Bon, ça va. Oh, je suis d'accord, c'est bon, ça passe. T'as oublié la question facile de Mercadier aussi. Ça passe grave. Alors, et sinon, il y avait Enrico Faya, que j'ai failli envoyer sur le coup au goulag autogéré, qui nous demande « Peut-on considérer Staline comme un hipster antélitérame ?» Il emploie des mots. Pas compris la question. Peut-on considérer Staline comme un hipster antélitérame ? Antélitérame, ce qui me reste de souvenir de latin, c'est « avant la lettre ». Ouais. Et du coup, moi, je propose qu'on... Bourgeois, goulag. Voilà. La question est pédante, donc c'est goulag. On y répondra pas, on envoie le mec au goulag. Je propose. Voilà. Puis ok. Voilà. Majorité. Voilà, ça a été traité. C'est l'efficacité prolétarienne. Comme comic, Superman Red Son est top. Ouais, exact. Exact. Pour la petite histoire, il y a une appli sur Facebook qui permet de faire du crochet et là actuellement, Féminisme et Sécateur est en train de faire au crochet virtuellement le portrait de Pierre Laurent. Et c'est bien, les femmes le font voilà. Crochet de nos jours. Alors, il y a Giorgio Tsadadze qui dit « J'ai développé une haine maladive des bourgeois au point de critiquer tout ce qui est bourgeois et rendre la vie de mes proches infernale. Est-ce grave, docteur ?» Oh, c'est la conscience de classe qui arrive. C'est ça, hein. Si tes proches sont des bourgeois, c'est bien fait pour eux, continue de les faire chier. C'était voilà. Ça, c'est réglé. Mais si tes proches sont des bourgeois, il y a des chances que tu en seras soit toi-même. Alors, mais du coup, c'est pas grave si c'est un renégat à sa classe. Ah, tu cherches les assiettes ? C'est vrai. Elles sont dans le même. Alors. Ah, bonsoir, j'ai l'impression d'être chez Michel Drucker. C'est trop d'émotion. C'est génial, ce que de l'amour, c'est super. Donc il y a Thibaut Diaz qui demande « Hey, camarade, chapeau, chapeau. Il y a des militants politiques encartés parmi vous ?» Voilà, il demande s'il y a des militants politiques encartés. Donc moi, Mrs. Gris, oui. Non. Raymond. Raymond, bien sûr. Raymond également, qui n'a pas encore payé sa cotisation. Scandale. Les autres, je vous laisse répondre. Il me semble que je suis à jour de cotisation dans mon superbe orgue libertaire. Il me semble. Moi j'ai qu'un mois de retard là, mais c'est d'habitude je suis assise donc ça va. T'as fait un effort, c'est bien. Alors donc il y a aussi une question de Mathilde Mercader, très beau nom de famille, nous saluons, qui demande mais comment faites-vous pour être si glorieux ? Voilà, moi j'ai trop d'humilité pour répondre, donc je vais laisser le micro à Nizan. Moi je dirais que simplement c'est le talent hein, et l'humilité surtout. C'est la dialectique. N'oublie pas, c'est la dialectique. Et la force de la dialectique aussi. J'ai jamais trop compris en tant qu'anarchiste ce que c'était que la dialectique. Ça a l'air d'être une puissance magique un peu comme la force dans Star Wars, ça me fascine. Carrément. Mieux que ça. C'est beaucoup plus glorieux que ça. C'est plus glorieux que ça. Oh, putain, ça vend du rêve. Ouais. Et la dialectique peut casser des briques. Quand même. Et la dialectique peut casser des briques. En plus, c'est même la seule façon de casser des briques. Est-ce qu'il y a une autre question ? Il n'y en a plus. Il n'y a plus de questions. Je leur dis d'en poser dans le chat s'ils veulent. Donc, vous pouvez poser des questions dans le chat, on va prendre la relève. Pour tout conseil culinaire, il y a également Raymond, parce qu'on n'est pas des gros beaufs qui demandent donc aux meufs. Raymond cuisine très bien. Cet homme est bon à marier d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez nous MP. Voilà. Non mais mariage dans une mairie communiste, c'est bon.
Je repasse 10 ans. D'accord, et au passage, pour ceux qui se posaient la question, nous venons de statuer que le mariage n'était pas bourgeois s'il était réalisé dans une mairie communiste. Je suis un petit peu circonspect, mais c'est la majorité, donc. Le kebab, c'est la vie, nous dit Julien. Bah, pourtant, là où tu crèches, les kebabs, ils sont dégueulasses en région parisienne, je suis désolé. Hein. Le mariage, c'est bourgeois, je suis assez d'accord avec Quentin. Ta gueule, Quentin! Le fromage, c'est l'exploitation des animaux au profit des humains. Oui, ça nous cause aucun problème, Cactus et Neige. On va mettre les trucs au clair directement. Non, c'est pas Charlie, c'est Cactus et Neige. Vive l'insurrection. Vive l'insurrection animale. Va sucer les cailloux. Alors, il y a Il y a Gophard qui nous demande des goodies anarcostales. Viens à la fête de l'humain, on vendra des badges, mais on n'est pas. Et des magnettes. On aura aussi des magnettes anarcostales. Mais c'est pas le but non plus de faire du pognon, quoi. La thune qui serait dégagée par ce genre de choses, ce serait pour que le Politburo puisse se payer des coups. Merci. Faire venir les camarades, parce qu'on est un peu partout en France, payer les frais d'essence ou des péages aux camarades. On va pas s'en sortir dans le business, quoi. Ça sert à rien. Ça va être trop bien. Toby continue, on n'est pas vétérinaire, on peut pas répondre à ta question. Ouais, je devrais être interdit au Babtou. C'est de l'essentialisme, ça, Didou. Je suis désolé. Ah, j'ai un message pour Toby. Est-ce qu'on mérite le goulag si on est originaire du même pays que Staline? Oui, c'est pas sur des critères ethniques. Hein. Bah, pourquoi tu dis oui? Personnalité de froid rayon. Oui, possiblement. Quoi? Oui, parce que tu viens du même pays que Staline. Bah, possiblement, non, mais il n'y a pas de. Ah, ta nationalité ne te protège pas. Oui, mais c'est pas. Alors, Pop and Riot, non, il n'y aura pas de photo de moi. Non. Oh, t'es qui, toi? Pourquoi tu... Je suis pas de Paris. T'es de la région parisienne, Julien, c'est pareil. C'est caca. Sauf le 9-3. Non, mais Julien est parisien maintenant. Paris, hein. Il se fout de ta gueule. Il est parisien maintenant, ce con. Ou alors, juste ta teub. Non, non plus. Alors, continue sur comme ça, tu vas te faire kiquer, toi. Alors, et qu'est-ce que, à part les photos de ma bite, est-ce que quelqu'un a des questions intéressantes à poser? Gazob, il est de Montigny-les-Cormeilles, il l'assume juste pas, la ville de Robert-Rue. Voilà. Oui, raconte-nous, Julien, par exemple, Julien Cazeneuve, qu'est-ce que ça fait d'être de la même ville que Robert-Rue? Est-ce que tu pleures la nuit? Qu'est-ce que ça fait à 4 ans d'avoir donné des ciseaux à Robert-Rue pour faire une inauguration? Oh, les dossiers. On a le droit d'être fier que Staline soit docteur honoris causa de son université? Ah ouais, un peu, ouais. Oh putain, la classe. Ouais. Carrément, ouais. Moi aussi, par la force, je peux avoir comme diplôme. Non, honoris causa. Elle est bonne. D'ailleurs, c'est pas le tout, mais moi je bosse demain, du coup je vais vous laisser. Ok. Soirée. Bonne soirée. Eh ben, bonne soirée à toi. Qui s'est barré? C'est Yamakawa qui s'est barré, qui bosse demain. Alors Matskouille, non, on fait pas tous les soirs ce genre de soirée. Ah oui. Toby continue, j'ai serré la main de Robert Rue à 7 ans à la fête de l'UMA, depuis j'hésite à me la couper. Non, en fait un petit coup d'abrasif et de la javel par-dessus et ça devrait le faire. De l'essence F. À l'université de Liège, du coup, il y a Staline qui est docteur honoris causa. Didou, c'est pas moi qui ai parlé de ma teub, hein, c'est elle qui a commencé. C'est lui ou elle d'ailleurs, je sais pas, qui a commencé. J'ai mis le haut là juste avant. Il était parti pour manger des frites à la base. Et bienvenue à Fancetify. Staline. Et puis il a payé. Oh, il y a Fancetify. Ah ouais, tout à fait. Oh. Il a payé un bar au PTB. Alors du coup, ce que je vous propose, ce qu'on vous propose, c'est de nous rebalancer des suggestions son, histoire qu'on fasse un petit interlude musical. Donc dans le goulag, j'allais dire, dans le chat, il y a des questions encore? Je sais pas, je te demande. Non, il y a plus de questions. Bah, on va faire un interlude musical. Vous nous proposez vos sons et on revient après.
Staline or Phaser, ouais, c'est le premier qui a répondu, ça fait. Oui. Alors, en fait, on vous a demandé votre avis, mais on va faire autre chose. Voilà, on va vous mettre une question, une chanson surprise. Chanson surprise. Chanson surprise. C'est génial, c'est que de l'amour. Complètement ok avec. Et c'est une spéciale dédicace pour Fanstify. Musique en tube, plage de disques pollués, du blé dans les sillons, du ballet les danseuses. Béjart, vous avez dit Béjart. Vodka orange. Un jour viendra couleur vodka.
Bonsoir, comme 94. On est dans la catégorie humour pour pas avoir d'emmerde en fait. Mais en bas, on est parfaitement sérieux. Gilles au goulag. Rééducation. Ouais, en rééducation à la limite ou comme arme de torture, ça peut être pas mal. Alors, comme torture suprême, Mrs. Gris propose que Gilles Langoureux vous masse les pieds pendant qu'il vous chante une de ses chansons. Moi, je trouve ça inhumain, quand même. Sacrée torture. Bah, Georges Tron, il fermerait sa gueule, par contre, mais... Oui, ça marcherait pas sur Georges Tron, nous faites-elle remarquer. Bill. Les clopes au goulag, non. Enfin, c'est idiot, mais ça mérite pas le goulag, quoi. Et quoi, les cigarettes ? Les cigarettes, non. Non. Surtout que la meilleure cigarette, c'est celle après les travaux forcés au goulag. Fancify, la torture autogérée, tu te pètes toi-même la gueule. Ouais, c'est un peu ça. Autorité, notre identité, nous dit Pierre Moscou. Non, vodka orange, on l'a déjà mise, Didou. La bamba triste. Ah non, non. Oh non. Oui. Ah non, non. Oh oui, oui, oui. Regardez, c'est quoi, non. Bamba triste. Je me sens comme une bamba triste. Putain, je l'ai plus après. On reprend. Je me sens comme une bamba triste. Allez. On la met, on la met. Et on plonge tous dans une piscine maintenant. Voilà, voilà. Peut-on cloper au goulag ? La jeunesse de France. Mon tonton au goulag. Qui c'est ton tonton ? La Makhnovchina. Ouais, plus tard. On est arrêté. Appel du grand Lénine. Je crois qu'il y a une unanimité sur la bamba. Oui, mais si on a un poids de bureau autogéré, c'est contre ce genre d'unanimité, si tu veux. La bamba triste. Ouais, c'est trop bien la bamba triste. On chante en même temps. Mais on est en train de se perdre dans les méandres de la bamba triste. De la bamba triste là. Et, on va rappeler quand même rapidement le thème de la soirée. Pourquoi on le fait ? C'est qu'on va lancer une semaine thématique donc sur le courant anarcho-stalinien. Non, pas sur les belles moustaches, sur les sociotraîtres. Non, je sais pas de faire une transition entre la semaine des sous-traitants et un débat sur Pierre Laurent. Vous voulez faire un débat sur Pierre Laurent ? Je suis pas convaincu de la chose, mais il y a rien à voir. Donc, toute la semaine qui arrive là sur le courant, vous allez avoir des visuels spéciaux sur les sous-traitants. Que ça, toute la semaine, sauf point d'actualité, etc. Du coup, on va vous le rappeler. Donc, on a en exclusivité le premier visuel qui va sortir. Lundi soir, avec lesquels vous allez pouvoir vous amuser, qui s'appelle Mentionne un social traître. On compte sur vous pour mentionner tous les sociaux traîtres que vous connaissez sur Facebook. Tous. Vous connaissez ou pas. Voilà, que le Politburo puisse établir une liste des gens qu'il faudra purger quand on prendra le pouvoir. De manière autogérée. Je vous laisse admirer nos qualités, nos skills à Photoshop. Voilà, voilà. Et sinon, les admins, deux admins coco, à savoir Raymond et Mrs. Gris, voudraient absolument faire un débat sur Pierre Laurent. Alors, vous allez me répondre dans le chat si vous êtes d'accord ou pas sur un débat sur Pierre Laurent. Attention à ce que vous répondez, hein. Tout le monde est d'accord. Celui qui n'est pas d'accord, c'est au goulag. Mais Clémence Moulin, la délation, quand c'est chez nous, c'est de la délation prolétarienne, c'est pas pareil. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez du coup. Nous ce que vous en pensez du coup. Je fatigue. Là. Je sens que t'écoutes déjà, il est pas spécialement motivé pour un débat sur Pierre Laurent. Vous avez qu'à faire vos débats d'anarchie. Ouais, non, pas trop. Daniel Guérin. Mais il est pas. Je suis pas sûr qu'il soit communiste libertaire, t'écoutes.
La délation fortifie la nation. La nation, c'est caca. Ben oui, la délation fortifie tout court. Alors, on sait tous que le meilleur, c'est Michel Guérin. L'homme qui a écrit un livre pour raconter comment, en tant que maire, il a cassé la gueule de ses administrés. Je l'ai pas vu encore. Je vais m'identifier comme social traître juste pour pouvoir visiter le goulag. Bah fais-le, signale-toi et t'auras droit à ta petite ton quart d'heure de célébrité sur le goulag autogéré. C'est pas... Oui, pour Pierre Laurent. On s'en fout du PCF. C'est un contre un là. Oui, pour le débat, merde. Deux contre un. Pour moi, il aura cassé la gueule quand même. Ah, s'il vous plaît, non, pas un débat sur Pierre Laurent. Ah les gars, je rage quit quoi si c'est un débat sur Pierre Laurent. Non mais ils vont pas durer très très longtemps. Enfin j'espère. Un débat sur Jean-Michel Bellet, c'est des radicaux ça. Je m'en fous du débat, je veux qu'on aille balancer des molotovs à Paris. D'accord. On va, c'est un vote contre ou un vote pour Giorgio? Ah, il y en a un qui est pour, mais avec une nuance. C'est Romain Delplan qui nous dit ça. Faire un débat sur Pierre Laurent, littéralement, alors, debout dessus, avec des talons. Non, mais on est en train de préparer le truc, donc de toute façon, on va le faire. D'accord, il n'y a pas grand chose à dire sur Laurent. Bah, ils sont en train de noter des choses pour le dire, Quentin. Ah non, on note rien. Et du coup, là, toi, tout dans la tête. T'as pas tout un truc. Ouais. Sociologie. On va, ce qu'on va faire, c'est que le temps qu'ils préparent prépare leur débat. Oh. Vous êtes prêts? Tu vas y écraser le chat. Là. Bon, il est 21h44, hein, ça s'arrête à 22h, on est d'accord, ma grand max. Je vous laisse la place. Il s'est retrouvé quand même. Bonsoir. Donc ce soir, nous allons parler de Pierre Laurent. Nous avons une question à ce sujet. Pierre Laurent peut-il être méchant ? Voilà, donc nous avons un spécialiste, Raymond Larron, qui va nous parler donc de Pierre Laurent et de la méchanceté avec une analyse sociologique avec de la maïzena. Oui, tout d'abord, je pense qu'il est important de rappeler les propos de Pierre Laurent lors de son interview au Grand Journal. Lorsqu'on lui a demandé... si parmi les sept nains il était grincheux, car c'est ainsi que Jean-Marie Le Guen l'aurait qualifié. c'est ton frère Jean-Marie Le Guen. Nizan est le frère de Jean-Marie Le Guen. Mentionnez-le sur le visuel, c'est un social traître au goulag. Oui, non, pardon. Pierre Laurent a alors répondu non, je ne suis pas grincheux, on me qualifierait plutôt de timide. Et effectivement, c'est bien ce qui caractérise le plus Pierre Laurent. On connaît notamment sa personnalité et celle de son père, Paul Laurent. Paul Laurent, dont la grande blague au comité central à la bonne époque, était... d'évoquer Paul Laurent en disant est-ce que tu as deux minutes parce que j'aurais deux mots à te dire. Voilà, c'était la blague à l'époque et je pense qu'il était important de... non. oui, mais nous inviterons Ruffin. Il y a Quentin qui veut partir mater du billard, on est là les mecs. Oui, Martine Pillard. Martine Pillard. Ouais, qu'elle fasse des steaks. Oui, donc Pierre Laurent n'est absolument pas quelqu'un de grincheux. C'est quelqu'un de tout à fait doux, sensible, qui crée l'émotion. Quand on le voit, on n'a qu'une envie, on a envie de l'aimer, Pierre Laurent. C'est ça qui le caractérise. Alors non, évidemment, Pierre Laurent ne peut pas faire de mal. Jamais. Ce n'est pas possible. Pierre Laurent, c'est l'amour. L'amour du peuple. Qu'il habite au plus profond de lui-même. C'est son combat de tous les jours.
quand est-ce que vous allez comprendre ça, putain ? D'ailleurs, nous avons maintenant une analyste des couleurs sur place, qui s'appelle Mireille Martin. Mireille Martin ? Oui, bonsoir. Oui. Qu'avez-vous à nous dire sur les couleurs du livre Le Nouveau Paris Communiste ? Oui, alors, il m'a fallu 2 ans pour étudier les couleurs de ce livre, pour en déduire que le violet ne peut pas être une couleur méchante. Donc non, Pierre Laurent ne peut pas être un homme méchant. C'est bon, c'est fini ? J'arrête la musique triste. Trop d'émotions. Beaucoup trop d'émotions. On t'aime, Pierre Laurent. Voilà. On dirait une cérémonie d'adieu à l'UNEF, les mecs. Vous rendez compte à quel point on est tombé là ? Ah, je m'en big up aussi au Pierre Laurent Dutch, il m'a fait rigoler. Alors ouais, donc, je t'ai pas entendu, Ticoud, excuse-moi. Non, il y a des bons jeux de mots là sur le chat. Pierre Laurent Dutch. Pas Laurent Dutch. Il y a Fef tout à l'heure qui demandait Pierre Laurent, le vrai débat c'est est-ce qu'on le déporte ou on l'exécute tout de suite ? Non ! La réponse est non. Pierre Laurent Baffy. Le violet c'est gothique. Bah, il y a eu un désaccord avec notre spécialiste Mireille Martin, c'est ça ? C'est beau, continuer l'outil Margot qui a définitivement grillé. Et pris sa carte au parti, il faut le dire. Bravo Margot ! Ouais ! Margot ! Margot ! Margot ! Avec nous ! Le violet, c'est la couleur du démon au Japon. Si ça se trouve, il pèterait les genoux de Pierre Laurent, les mecs. Nous dit Fancify. Et si ça se trouve, le démon au Japon, c'est Pierre Laurent, hein ? Ça, on le sait pas. Une très bonne blague de Séléné Absinthe qui nous dit Pierre Laurent Ruquier. Et merci pour ton intervention. Pierre Laurent Gérard. Non, c'est sale, ça, Julien. Arrête-toi. Ça, c'est sale, je suis d'accord. Non, pas Laurent Gérard, quoi. Il n'y a pas pire. Il gère Pierre Laurent. Vous n'avez parlé Laurent Gérard. Il pas d'ailleurs. Et il le gère bien, wesh. Voilà, voilà. Ça devenait art contemporain, là. T'as pas vu la choré qu'il y avait avec, hein. La prochaine fois, on mettra la cam, mais vous allez vous croire sur Arte. Hein. Non, ils verront que Mireille Martin, ils pas. Pierre-Laurent Fabium ? Je comprends pas. Fabius. Oh, peut-être pas, quand même. C'est sale. Voilà, voilà. On va revenir sur la bonne scène, ce sera mieux. Hop. Oh, calme. Pierre-Yves Saint-Laurent, ça c'est un peu bourgeois quand même, Tristan. Complètement bourgeois. Pierre-Laurent Vauquier nous dit Fef. Pierre-Laurent Parisot, c'est vachement bien fait. Vous n'y connaissez rien. Bien joué. Et Margot vous dit que non, vous ne l'aurez jamais, que vous n'arriverez pas à l'encarter au PCF. C'est juste que la 150e millième fois la 150 millième tentative, mais ça finira par marcher, Margot. Je me sens comme une bambatrice, Margot. Bien. On Alors. Ira tous au parti communiste. Ça nous donne une Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est un visuel avec les meilleurs jeux de mots à faire avec Pierre Laurent. Pierre Laurent en Algérie. Pierre Laurent, l'argent des abonnés. J'ai pas compris, Tristan Desmolder. Pierre Moscovie Laurent, d'accord, ça c'est fait. Mange Pierre, c'est top. Mais Pierre Laurent, l'argent des abonnés. Putain. Des adhérents. Ouais, des adhérents. Yo, Arieller. Bah, il est pas à l'heure. Arieller n'est pas à l'heure. Bien ou bien. Oran en Algérie. Ah, mais oui, non, mais oui, d'accord, ouais. Oran, c'est en Algérie ? Putain, mais ma géographie, mec. C'est pas en Algérie, les orang-outans ? Mais pas les orang-outans, Oran, la ville. Oh là là. Bien. Alors, ce qu'on va faire, avant qu'on reprenne des suggestions de son, on va vous laisser poser quelques questions auxquelles on répondra. Demain. Définitivement. On répondra, on va essayer de répondre à toutes. C'est spéciste, Mathilde. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Mais elle est spéciste. Les orang-outans, oh, d'accord. Et qui a dit Mathilde ? Qui ?
Merde, c'est Tristan qui dit ça. Merde. Bon, moi je m'en vais, les camarades, dit Giorgio Vader. Davish Nadia Tavarishi. Da Zvidja. Allez, Giorgio, ah. De la Purple Berber, Dumb et Dumber, je dégueule des burgers. Salut Giorgio, bonne soirée. Salut, mais c'est pas grave. Je lis que la géographie reclus, c'est très bien ça, Quentin. Élysée reclus ? Donc on va prendre vos questions. Soviète suprême, non, mais d'abord les questions, Margot. Et ensuite, ensuite on mettra du son. Ça va, t'écoute, t'as survécu. Ouais, pépère, ouais, ça va. Bah, honnêtement, j'ai tout muté. Hein. Honnêtement, j'ai tout muté, nous dit-il. Question, vas-y, Aria, alors. Qui n'est pas un social traître ? Le Politburo n'est pas un social traître. Pierre Laurent. Bravo. Voilà. Le Politburo n'est pas un social traître. Marc Brinol n'est pas un social traître. Non, je déconne. C'est une blague. Vous n'avez jamais eu droit à des fachos à deux francs qui vous harcèlent ou autre ? Des insultes par MP, on en a eu, mais du harcèlement, non. Alors, Margot, qui est en mode autonome, qui veut absolument Soviet suprême, alors qu'on a dit que c'était des questions. Tu as entendu Pierre Laurent, on va y avoir du sang. Non, c'est pas vrai. Non, mais sérieux, les sociotraites, c'est le PS, là, non ? Ça me rappelle votre visuel avec Manuel Valls en Geoffrey Baratheon. Il était pas de nous, le visuel. Il était du LL gauche du PS, d'ailleurs, si je me rappelle bien. Ou d'un mec affilié à l'aile gauche du PS. Il était assez sympa. Par contre, là, je l'ai plus sous la main, je pourrais pas vous le montrer. L'Action française a trouvé notre syndicat sur Facebook. Merde. Ha. Le blues, c'est social traître ou pas ? Non. Non. Bande de connards, nous dit Tristan. Toi aussi. Que faire des social traîtres ? Des sociaux traîtres. Ouais, sociaux traîtres. De l'engrais, ouais, effectivement, c'est une bonne idée, Ariel. Avec des frites. Avec l'engrais, c'est pas mal. C'est pas parce que c'est toujours plus utile que les dogmes, n'est-ce pas? Ah, bande de connards, c'était pour l'Action française, d'accord. Allez, je me disais encore, c'était bizarre. Action! Je me suis fait menacer par un mec des jeunes de l'UMP, ça compte. C'est la honte, ça. Bah, normalement, c'est toi qui les victimises, hein. Ah, ça! Deux à Paris. Je vais muter les mecs, arrêtez de déconner. Est-ce que je peux confesser que je suis ému quand je regarde la vidéo d'Arlette au présidentiel de 74? Mais bien sûr, tu peux être ému. Et tu as droit à 5 secondes d'émotion, en plus t'es un hétéro-trotskiste. Voilà, mais t'as le droit. Moi, une fois, un gars de l'Uni m'a foutu un coup de boule à cause d'une blague foireuse. Tu lui as rendu, j'espère. Cette élection d'homme. Faut voir c'est quoi la blague aussi, hein. Ouais. J'ai manqué de me faire casser la bouche par un cateau tradi. Ah, ils sont plus tendus déjà, eux. Avec son crucifix. Ouais, c'est autre chose. Laisse ton truc, Seigneur. C'était sur Facebook. Bah, faut nous appeler dans ces cas-là, Julien. On va aller lui causer au gars. Bah, se faire casser la bouche sur Facebook, c'est. Non, pas. Non, non, c'est Fev qui s'est fait. Qui a manqué de se faire casser la gueule. Julien Cazeneuve qui s'est fait embêter par un libéral, visiblement. C'est quoi un légume de droite ? Bonne question. C'est Chirac ? Ouais, Chirac, ça marche pour Stify. Est-ce que c'était pas du validisme, ça ? Ah si, c'est un peu du validisme, ouais, si, t'as raison. Du coup, Clémence, la réponse de ta blague, Juppé. Oh, Juppé, il danse super bien. Je pense que vous vous rappelez des visuels qu'on avait fait, mais Juppé, il danse super bien. Dinosaure partouzeur de droite, nous dit la marmite. Qui connaît ses références. Belle référence, effectivement. Mais quand le gars il m'a vu en réel, il a mouillé sa culotte. Je lui prends 40 kilos. Ah, ok, oui.
J'ai eu droit à un skinhead néo-nazi de 16 ans qui m'a traité de tantouse à la gare parce que j'avais du maquillage à l'aile, ça compte. Oui, oui, ça compte. Il fait même du beer pong. Juppé, il fait du beer pong. Putain, je vais voter pour lui. Ah, c'était pas une blague, Clémence Moulin, j'attendais la chute, là. Le cato me disait que nous les rouges on n'avait pas d'honneur. Je lui ai répondu comment on était efficace parce que durant la guerre civile russe on en avait exterminé les Ruko, il a pas aimé. Et tu m'étonnes qu'il a pas aimé. Oh là, Franck, les questions sérieuses, non. Êtes-vous anti-sioniste? Quelle est votre position à la, quant à la campagne boycott des investissements et sanctions? J'aime bien le pamplemousse. Voilà. Mais bien sûr que oui, et bien sûr que oui. On a participé à BDS, moi j'ai un peu de mal en ce moment. Je suis trans, d'accord. Oui, c'est pour ça qu'il t'emmerdait, je me suis douté, c'est l'aîné absente. Est-ce que l'engrais de Social Trait fait pousser des légumes de droite? Fancify effectivement avait posé une très bonne question. Et pendant ce temps-là, Raymond et Féminisme et Sécateur font vraiment au crochet sur Internet le portrait de Et quand on l'a fini, on le passe sur Pierre Laurent. On le mettra sur live quand on aura quand ils l'auront fini. Il reste que 2 minutes, ça va être tendu de répondre. Comment ça? Comment ça, il reste 2 minutes? Pourquoi tu me parles? Ouais, parce que t'as annoncé la fin du live à 22. Non, c'était la fin du débat sur. Non, la fin du débat à 22h. Le live il s'arrête quand on en a marre. Hein. Ouais, c'est pour ça. C'est ça. Tu savais qu'au Québec ils veulent faire une loi pour interdire BDS et en France ils commencent à taper au niveau légal. France aussi, ils en parlent. Je sais pas. Sur le principe, ça me cause pas trop de problèmes. Après, sur ce. Je sais plus dans quelle région, BDS 34, je crois, t'avais des quenelliers, etc. Ça devenait foireux à cet endroit-là. Autrement, nous, on a participé à des actions BDS sans problème. On s'est fait aggro par le CRIF à ce moment-là, par un mec du CRIF qui traînait dans le rayon fruits et légumes. Bah, c'était drôle, c'était tendu. Que penser des anards qui refusent de soutenir la Palestine car ce sont des nationalistes? Bah que c'est des cons, c'est des gauchistes. Disons que en l'état, on les pendra tous. Tu peux, c'est balancer toute une pende, un pan de résistance à la poubelle, comme ça, sans, tu peux les soutenir avec un soutien, bah ça fait un peu trotskiste, mais un soutien critique quoi. Tu peux soutenir le FPLP. Effectivement, t'as le droit quand même d'avoir des problèmes avec le Hamas quoi. Les quenillistes sont comme les femelles, les causes qu'ils défendent sont nobles, mais dès qu'ils s'impliquent dedans, ils niquent complètement. Bah les quenillistes, ils défendent. Ça devient beau. Les quenillistes défendent que dalle, hein, en vrai. Gilles d'Or officiel qui est sur. Ne sort déconner. Non, Gilles d'Or. Vous connaissez mon nouveau clip? Salut, blanc Gilles. Sans le N, ça fait black. Oui, on te connaît, Gilles. On n'est pas fan de celle-là, mais on t'aime beaucoup, Gilles. Putain, Gilles en gros sur le live. Gilles à poil. Oh là. Ouais, capture d'écran. C'est génial! Oh, énorme! Oh, Gilles! On s'est vu à la fête de Lima, on a fait une photo au grand moment. Attends, j'enregistre le truc parce que c'est tellement beau. Alors, Gilou! Gilles, comment Gilles, tu vas, mon cochon? L'appelle pas mon cochon, s'il te plaît, sois pas bête. Franchement, blanc sans le R, ça fait black, elle pourrait être bien. Allez, capture d'écran, là, c'est fait. Mais t'as eu une petite bourde dedans, quand tu dis on descend tous d'Afrique, t'as le fondu qui tombe sur une tête de singe et ça fait un peu raciste. Alors qu'à la base, c'est une chanson qui est censée être antiraciste, donc c'est dommage. Du coup, c'est juste au niveau du clip que les gens, souvent, il y a eu des réactions un peu vives. Mais c'est juste au niveau de ça. Et il y a moyen de. Enfin, je sais que t'as dû bosser pas mal sur ce clip, mais bon, laisser une bourde pareille, c'est un peu gênant quand même. Voilà, ouais, c'était tendu, autrement, bon. Mais sinon, tu fais partie de toutes nos soirées, on te kiffe, on met tout le temps tes clips à la télé et tout, gros moment. Toutes nos soirées se finissent sur du Gilles Langour, Gilles d'Or, pardon. Comme voilà, c'était le moment fanboy. Gilles d'Or. C'est con, on est sur internet, je peux pas demander l'autographe, je suis deg. Gilles, je veux une dédicace sur mes tétons, nous dit Fortify. Blanc sans le N, ça fait black, ouais. Mais les voiles...
On n'a pas trop aimé non plus. Bah, il en a fait des meilleurs, Gilles. J'avoue que mais les voiles, ouais, c'était... ouais. J'ai été menacé de mort à Montréal par Hélène Keller du CRIF. Ah, sympa. Gilles, je t'ai fait péter. Je suis témoin. Fancetify a effectivement fait péter Gilles Langoureau pendant tout son anniversaire. C'était magique. Même en décalé sur plusieurs écrans, d'accord. D'ailleurs. Ça fait pourtant des années que j'explique. Ouais, je sais, mais c'était pas très réussi, quoi. Moi, les camarades, je vais devoir y aller. Je vous souhaite une bonne soirée. Ça marche, Ticoud. Est-ce que Gilles Dor peut pas venir sur Discord pour parler avec nous? Mais je sais pas si l'application... Putain, on a eu Gilles Dor sur notre live, quoi. Ça serait énorme. Ça, c'est un achievement, ça, on est heureux, là, sérieux. C'est un haut fait. Non, faut qu'il nous fasse une chanson en live. Bah, ouais, le PC le supportera pas, même si on arrive à faire une connexion avec Gilles Dor. Mais en même temps... C'est vrai que le PC a du mal à le supporter. Pareil, bah bonne soirée, Matsquim. Mais je pense que tout le public ici, Gilles Dor, te connaît. Hein. Je pense qu'ils te connaissent tous. On t'a passé tout à l'heure. C'est Julien qui lui a dit. Et si on lui envoie un MP, il nous envoie une photo dédicacée ou quoi par la poste? Est-ce que, Gilles, si on t'envoie un message sur ta page, est-ce que tu peux nous envoyer une photo dédicacée par la poste? Pouvez-vous me dire qui est Gilles? Gilles Langoureau, Julien, fais pas semblant de pas connaître. J'ai pas l'honneur d'avoir été présenté. Eh ben. Hop. On va vous filer le lien. Bah mets-le en son carrément. Bah, on va le. Il est là, autant le mettre. Mais blanc sans le N, ça fait black. Non, je vais mettre faire du fric. Ah oh, oui, faire du fric. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie plus tard? Voilà. Faire du fric. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie plus tard? Faire du fric. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie plus tard? Faire du fric. Faire du fric. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie plus tard? Et donc ça, c'est du Gilles Dor. Faire du fric. Vendre des chaussures à un cul de jatte et vendre ce cul de jatte au PSG. Un proxénète, pas très net, et faire bosser des minettes sur les trottoirs du net. Adhérer au parti, au pouvoir, pour pomper les caisses de l'État. Vendre de l'héroïne à un gosse, puis vendre le gosse au pays. Gilles, tu peux pas mettre de lien parce que c'est dans les paramètres de YouTube, il y a que nous ou les modérateurs qui peuvent mettre des liens. Ce qu'on va faire, c'est que après la chanson, on va envoyer le lien de ta chaîne en fait. Et le payer au lance-pierre. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie plus tard? Faire du fric. Faire du fric. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie plus tard? Faire du fric. Faire du fric. Recevoir des milliards du gouvernement, mais être contre l'assistanat. Faire suer le pauvre, éponger le riche, et sans amour propre gagner de l'argent sale. Louer les ventres de femmes pauvres aux riches stériles. Créer des programmes télé de merde qu'on devrait les obliger à les regarder. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie plus tard? Faire du fric. Faire du fric. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Monde pour des occidentaux nantis malades, devenir célèbre en
Ouais, donc c'était Gilles Dor, faire du fric. Et on va vous balancer le lien de la chaîne puisqu'il nous fait l'honneur d'être là. Hop. On a Séléné Absinthe qui nous dit qu'elle met ce titre sur son portable direct. Voilà, bah tu trouveras tous les titres, tous les grands tubes de Gilles sur la chaîne, la référence qu'on vient d'envoyer. Oh, si, quand même, il y a du lourd. Hein. Attends. On voit que Julien Cazenave est on fire là, ça y est. Bon, du coup, on a eu l'interlude musical. Ouais, mais pas Joe Dassin. On n'a pas eu Joe Dassin. Dans ces cas-là, on va reprendre quelques questions. Et je vais faire un bref rappel de pourquoi on fait la soirée ce soir. On reprend des questions et on vous passe du Joe Dassin parce que Raymond, il a envie d'écouter Joe Dassin. Ouais. Alors, on fait une semaine thématique, toute la semaine sur le même thème. Ce sera socio-traître. Et le premier visuel qui va sortir donc lundi, demain, c'est celui-là, vous devez le voir à l'écran normalement maintenant. C'est simple, c'est un visuel de dénonciation pour aider le Politburo à faire ses listes de purges. Ça s'appelle simplement mention à social traite, donc qu'il soit à l'UNEF, à la CSDT, au PS ou ailleurs d'ailleurs. Et je vous invite quand ça sort lundi à tous taguer tous les sociotraites que vous connaissez, de manière à ce qu'on ait les listes les plus complètes possibles et qu'en cas de révolution, on puisse faire un coup de ménage rapide, propre et efficace. Voilà. Le Politburo vous remercie pour votre coopération. Tu peux dire collaboration, je pense. Les semaines de gauche, non le... Bah non. Bah du coup, non, pas les semaines de gauche, Romain Bazo, si on parle des sociotraîtres. Alors, on va reprendre les questions pour ceux qu'on a encore à poser. Et ensuite, Joe Dassin. Non, vas-y, moi, je vais passer. Gilles devrait être connu partout, c'est une absence. T'as parfaitement raison. Gilles, tu peux le croiser à la fête de l'UMA. C'est pas une superstar qui vit dans une villa. Hein. Il vit dans son petit pavillon de champignons. Bon, bah, je vais me faire purger. Reste une place en Sologne. Il y a toujours de la place en Sologne. Les places se libèrent assez vite. Les moustiques, tout ça, la dysenterie. Hein. Vous aimez les YouTube poop c'est relou à la longue les YouTube poop. Est-ce que se dénoncer soi-même, c'est de la délation autogérée? Bah si tu te dénonces toi-même, tu t'en tires avec une autocritique. Je pense. Enfin ça dépend des cas. Tiens, décale-toi gros. Je vais m'acheter des bières, j'en ai pour 5 minutes, vous serez toujours là, oui. On t'attendra. Dis, quand reviendras-tu? Alors, France nous demande qu'est-ce qui est petit et marron, je crains le pire. Un marron? Ça, c'est trop fort. Est-ce que vous aimez Victor Rara? Ça me dit quelque chose, Victor Rara. Ben oui, ce chanteur chilien qui s'est fait couper les bourses par la police. Donc, c'est le chanteur chilien qui s'est fait couper les bourses par la police, nous dit Raymond. Des amis Facebook, Ahmed Ahmad, pas des amis en vrai, les amis en vrai, tu les dénonces pas. Si, si. Baron Noir, on n'a pas canal, Tristan de Modère, on connaît pas. C'est ça, un marron. Ah, je suis trop doué. Ce moment où le Carrefour City est fermé et que tu peux pas aller acheter ton vin pourri. Bah, il te reste les rebeux, hein. Comment j'ai vu ça? L'accent, bordel, l'accent, quel accent? Quel accent, monsieur Feff? L'accent gueux du Loireg? C'est Sag? Ah, oui, non, oui. Je ne connais pas Sag pour ça. Gilles, t'es toujours là? Chaud, mon Gilles. Les épiciers de nuit. C'était oui. Oui, bah les rebeux, ouais. Le pakistanais au pire. L'accent pour Victor Rara. L'accent, mais j'ai raté tout mon espagnol. Ah merde, je suis désolé. J'ai fait l'effort de le prendre en LV3, mais j'ai pas réussi. Non, mais de toute façon, ce qu'on t'apprend en espagnol, c'est jamais la réalité. Hein.
Voilà, pour parler espagnol, il suffit d'ajouter Del Mundo à la fin, dédicace à Fonstifi. Voilà, c'est, par exemple, nous, on avait repris tous les titres des Doors en espagnol. Rider on the Storm, par exemple, ça fait Rider on the Storm, Del Mundo. Et voilà, là, t'as ton truc en espagnol. Donc l'accent, il sert à rien. Alors, Séléné Absinthe, on est 12 dans la même pièce. On n'était pas sur Skype, on est avant avec Ticoud, on était sur un truc qui s'appelle Discord, qui est un chat... D'ailleurs, t'as rebalancé le lien ? Je vais le faire, justement. Qui est un chat vocal et écrit, qu'on va vous proposer de rejoindre si ça vous intéresse. On n'est pas tout le temps connecté dessus, mais si vous voulez parler au Politburo, bon, peut-être pas après la soirée de ce soir, mais les jours qui viennent, on va vous balancer le lien. Il faut juste une adresse mail valide et un micro si tu veux nous causer. Sinon, t'as juste besoin d'un clavier. Hop. C'est un chat du coup écrit et vocal. Qui est pas mal du tout. Pourquoi Jean Didi nous a envoyé un. Je sais pas. Un MP. Ouh là là, il est en PLS. Tu fais. Fais plus sur Salon Voco. Non, annulé. Va sur Général. Voilà. La petite flèche là, invitation. Ah ok. Pif, et tu colles le lien. Bah du coup, je vais plus s'allumer sur le. Ah oui. Ouais, bon, ça ira pareil. Ça va amener pareil, je pense. Hop. Avez-vous une branche québécoise ? Non, on n'a pas de branche québécoise. Moi, un jour, j'ai parlé à des Québécois, ils m'ont dit ça existe encore les communistes ? Alors depuis, c'est bon. C'est moi qui veux lancer une branche niçoise à la base. Avec un peu de chance, on va être 6. Tu nous envoies un MP. Tu nous dis que c'est l'aîné absinthe. Et on va regarder. On va regarder ce qu'on peut faire. Mais après, les comités locaux, on en a créé pas mal. Ça marche pas toujours super bien. Excepté pour. Il y a deux personnes là qui sont des comités locaux dans le chat. Et là, ça fonctionne pas mal. Le reste, c'est un peu endormi. Donc, on est un peu frileux pour faire une énième page qui fonctionne pas super bien, quoi. Est-ce que les tendances minoritaires de l'UNEF peuvent avoir des réductions de peine ? Non. T'es dans un syndicat de masse et de. Enfin, de masse. Ça dépend. Un syndicat de classe. Ça dépend, une autocritique et. Ça dépend, ouais. Un peu de rééducation. Moi, je suis sympa parce que je suis comme Pierre Laurent. Je ne peux pas être méchante. J'aime le violet, j'ai la voix pâteuse. Voilà. Je ne peux pas être méchante. Oh ! Oui, c'est ce que vous m'avez dit quand on va envoyer un MP. Mais comme t'insistes, on va regarder ce qu'on peut faire. Renvoie-nous, ressonne-nous et c'est l'aîné absinthe et on va voir ce qu'on peut faire. Faire du fric. Moi, je m'y colle, camarade, j'ai juste beaucoup de travail en ce moment. D'accord. Oui, non, mais il n'y a pas de problème, Ariel, on sait, c'est bon. Vive le Québec, nous dit Gildor. Vive le Québec, du coup. Fonstify, c'est pas aussi un des plus beaux jours de ta vie, quand même. Est-ce que le micro, ça va, dites-nous, là. Nous. Oh. Ah, Gildor, du coup, tu peux aller liker la page sur Facebook, c'est Courant Anarcho-Stalinien. Ça nous ferait gros plaisir. Eh ouais. Fuck De Gaulle. Oui, Franck, oui, fuck De Gaulle. Oui. Bah, c'est anthropophagie qui apprécie. Non. Non, l'anthropophagie, non, c'est autre chose. L'anthropophagie, c'est pas la nécrophilie, tu confonds. Ah oui. Merde. Libre, ce qui inclut aussi les Premières Nations, bah surtout elles en fait, hein, Franck. Sur le marché du quai du Ouais, un bisou à De Gaulle, monsieur Feff, je suis d'accord, ça c'était rigolo ce qu'il a fait, mais sans plus quoi. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie plus tard ? Le site pour le live en vocal, ça marche pas ? Ah, bah c'est que en fait, Tristan, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebalancer le lien à la fin, mais là mon ordi est en PLS et. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le lien sur le. Dans les commentaires du visuel qui annonce le live sur la page. Et comme ça, vous pourrez rejoindre.
Ce sera plus simple, je pense. Ouais. Attends. Je t'ai demandé. Attends, on retente. Alors. Du coup, en attendant, si vous voulez, je peux vous parler de Pierre Laurent. Non, ça ira, Pierre Laurent, sérieusement. Marie-Georges Buffet. Marie-Georges Buffet est une grande femme. Plus d'un mètre soixante. Alors, avant qu'il reparte en live, Tristan, on a rebalancé un lien et je pense que celui-là va marcher. Ah bon, ça c'est fin, Gilles. Les érections pestilentielles. Ça c'est très fin. De Gaulle reste une pauvre merde qui en a fait massacrer des civils. Oui, je suis là. Mais De Gaulle, c'est une pauvre merde, oui, on est d'accord. Vous énervez pas, on n'aime pas De Gaulle non plus. Voilà, voilà. Si, moi j'aime De Gaulle. Bon. Et Gilles, il avait dit quoi si on lui envoyait un MP pour avoir une photo dédicacée? Gilles, oui, tu nous as pas dit. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une photo dédicacée? En t'envoyant un MP sur ta page? Si on t'envoie un MP sur ta page. On va attendre la réponse de Gilles et on va prendre des suggestions pour le son. Pour la musique qu'on passe. C'était je vais remettre sur la bonne scène. C'était Joe Dassin. Ah oui, bon. On va mettre Joe Dassin, on va faire une petite pause musicale. Tu veux laquelle de Joe Dassin? Ouais, bon. La fleur aux dents. On peut pas la chanter celle-là, on la connaît pas. C'est pas grave. Genre, tu connais pas la fleur aux dents. Il chante bien Gilbert Collard. Le sécateur a pris le pouvoir. Vous n'êtes pas très fort en Joe Dassin, je vous mets quelque chose de vachement plus funky. Bougez pas. C'est hyper funky le Joe Dassin quand même. Ouais, mais là tu vas être d'accord, mon petit Raymond. Ouais, mais j'accepte mal la critique de Joe Dassin. C'est pas de la critique. Je dis que Joe Dassin il est là. Est-ce que je mets il est là un peu au-dessus quand même? Jean Ferrat. Eh oui. Ah, la meilleure en plus. Le reste, tu le fais. Oh.
Je savais que ça te plairait, Céline. Ouais, ça. Qu'est-ce que ça fait? Bah c'est la fin. Bah c'est la fin. Ah oui, non, mais c'est un peu brutal comme fin. Alors du coup comme ça s'est terminé, Franck Mounadel, on a posté justement l'affiche rouge, bêtement, enfin la chanson de l'affiche rouge par Ferré ce matin. Ils sont pas malades, ils sont pauvres. C'est tout le truc de la chanson, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle travaille à l'usine à Créteil. Elle peut pas aller plus loin, tu vois, elle habite à Créteil, elle va en vacances. À Saint-Ouen. Comme famille, ils n'ont qu'une marraine quelque part en Lorraine, et c'est loin. Oh, et tu es en train de citer qui, monsieur Feff? Qui est-ce qui critique Jean Ferrat, là? Je te dis, il y a du goulag qui se perd. Hein. Quelqu'un qui disait, ils vont en vacances à Saint-Ouen, ils sont fous. Et puis c'est le Saint-Ouen de l'époque, c'est comme le Belleville de l'époque. Écrit par Pénac, il donne envie, le Belleville de Pénac. Tiens, bah, déjà, monsieur Feff, dis-nous d'où tu tires ta citation, là. Et ensuite, dites-nous un peu ce que vous lisez en ce moment, ce que vous aimez. Peste noire, je passe le temps musical. Ah, c'est toi qui écoutais le groupe de black metal Peste noire, d'accord, oui. Ah, c'est dommage, j'ai plus Yamakawa. Bah, Yamakawa est parti, donc tu t'as encore loupé l'admin métalleux. Ah, mais de rien. Dassin avec les loups. Con. Joe Dassault. En ce moment, je lis Gramsci, Dieu l'état de Bakounine. Ça aurait pu être des vacances à Saint-Tropez, donc je trouve que ça va. Effectivement, Saint-Tropez, c'est moche. Ça, c'est chiant, c'est cher, c'est moche. C'était avant, genre, avec des arabes et des moustaches et des nœuds. Je comprends pas ce que tu veux dire, Agdis. Bah, Saint-Ouen de l'époque. Ouais, j'en sais rien, c'est un toit. Je sais pas, il a écrit ça en quelle année, Ferrat? 60. 60, à mon avis, pour trouver des rebeux, il fallait plus être dans les bidonvilles de Nanterre. Hein. Sociologie de la famille contemporaine et ses cases bonbons. Il y a même pas d'auteur, c'est qui? C'est Durkheim? Durkheim? Clémence Moulin? Darwich plus Borges plus Bakounine. Borges, c'est bien, Darwich, j'ai jamais lu. Mahmoud Darwish, le poète palestinien, du coup. Oh, si, c'est trop stylé. D'ailleurs, est-ce qu'on peut mettre Zep, je suis arabe? Bah, on va remettre Zep, je suis arabe après, on va parler un peu avec eux. Oui, mais on peut le mettre et parler en même temps, non? Ouais, c'est pas faux. On le met Philippe Kadik et David Gemmell. David Gemmell, je connais pas. Philippe Kadik, c'est particulièrement perché, particulièrement bon. Bah, Gemmell, c'est une adresse mail. Non, allez, je suis con, ça devait être la campagne. En 60, je suis pas sûr. L'étrange naissance de l'homme d'Oscar Kismaers, je connais pas. François de Singly, je connais pas non plus. Ah oui, d'accord, ok. Je lis une histoire contemporaine de l'Espagne, 1808 de nos jours, par Pellistrandi. Le bordel, une allégorie, ok. Je connais pas Esteban Gabori, ce bouquin-là d'Orwell. Fortify, je lis Lovecraft parce que ma vie est visiblement moins chiante que les vôtres. Va te faire foutre. Oui, Lovecraft. Serait-ce le livre que nous t'avons offert? C'est pas dégueu, sauf le nationalisme dedans, mais bon, bah, la marmite, la marmite, ça y est. On a trouvé un anarchiste qui était un peu distant vis-à-vis de la cause palestinienne.
Introduction à Marx de Pascal Combeaumal. On l'étudie à la fac. Oh. Aragon et l'Église. Ah. Deleuze et Guattari. Parce que je suis un connard d'une université à retraite. Deleuze. Et franchement. Deleuze, Quentin, je viens de commencer Spinoza, philosophie pratique, et j'ai un peu de mal. Hein. Voilà, soyez pas timide à balancer que vos lectures chiantes. On lit aussi des trucs un peu moins chiants, quoi. Genre. Bah, genre de la SF, des trucs comme ça, tu vois, qui va être moins prise de tête. Vous pouvez le balancer aussi, et moi, ça me fait un peu plus plaisir. Parce que les lectures chiantes, j'en ai marre. Un recueil d'Aragon à recommander. Moi, je suis plus éluard, pour te le dire. Raymond, un recueil d'Aragon à recommander ? Ouais, mais je sais plus comment il s'appelle. D'accord, bon, on sait pas. Bah, t'auras qu'à rejoindre le Discord et dans les conversations sérieuses, quand on aura de nouveau le nom, on te le mettra. Mais c'est pas chiant. C'est pas chiant. Non, Deleuze, c'est pas chiant. Deleuze, j'ai du mal à lire. Mais j'ai pas dit que c'était chiant, par contre. J'ai pas dit. Comment ? Ouais, je. Seuls les vrais savent. TMTC. Pour se faire une idée générale de la pensée socialiste communiste anard, vous recommandez quoi? Je te recommande L'anarchisme de Guérin pour le côté anard. De Michel Guérin. Daniel Guérin. Daniel Guérin. Bakounine, Ombre et Lumière de Jacques Duclos. Bakounine, Marx, Ombre et Lumière de Jacques Duclos. C'est une blague. Hein. Harry Potter, c'est pas libertaire. C'est communiste. Ouais. Est-ce qu'il y a des camarades à Toulouse? Ça dépend des camarades de quel orga, parce qu'après on peut te filer des noms, ouais, mais. Ce soir sur le live, il me semble que j'ai pas vu de Toulousains. Oui, t'es qui là? Est-ce les lois de la fondamentale de la stupidité humaine de Carlo M. Cipolla. Le titre me plaît bien. Je vais peut-être essayer. Tandis que moi le titre, je le trouve vachement cher. Harry Potter, c'est libertaire. Non, c'est communiste. Sinon, je lis, oui, c'est une belle critique sur le monde perturbé des transports urbains contemporains. D'accord. Mais zep. Bakounine, Dieu l'État, c'est pour ce qu'il dit sur autorité. Par contre, il raconte des conneries sur les juifs. Bah, la bisbille, Bakounine, Marx, il y a l'antisémitisme quand même en toile de fond, même s'il y a des différences idéologiques. C'est Marx, c'est un juif allemand. Oui. Zep. Inscrit. Du coup, poème de Darwish. Un poème de Darwish chanté par Zep. Alors, Esteban Gabori, il y a des modèles théorisés, des expériences anarchistes qui n'ont pas super bien abouti. Ah ouais. Va chier. Raymond. Tu as l'Espagne de 36, tu as plus ou moins. Pourquoi t'es sur des. Oh, pourquoi c'est sur des. Qu'est-ce que t'as fait? Bouge. T'as cliqué sur un. Ça a été défait généralement par les armes, mais regarde les expériences, pas alors communiste libertaire, pas anarchiste au sens pur et dur, mais regarde ce que tentait la CNT espagnole, dans une certaine mesure, ce que dans une certaine mesure peut être le ZLN au Mexique, dans une certaine mesure aussi parce qu'il y a une composante religieuse qui n'est pas stricto sensu anarchiste, mais si, ça a été théorisé, ça peut... Tu peux pas te décaler, tu es gros hein. Ça a été théorisé, ça a été expérimenté, ça a pas super bien marché. Je te dis, en même temps, l'URSS non plus, il a pas super bien marché, c'est pas une raison, tu vois. Le truc, c'est qu'à mon avis, t'as dû croiser, toi, des totos ou des individualistes qui sont les pires, quoi. Ou des enfants de 15 ans. Ou des punks à chiens, au pire. Le Rojava, ça compte. Super vin. Le Rojava, je dirais que c'est autogestionnaire, c'est pas si stricto sensu anarchiste, mais y a rien de stricto sensu anarchiste, en fait. Qui ont à chaque fois duré moins de 3 mois. Le Chiapas, ça dure depuis plus longtemps, monsieur Lefebvre. Marina Léla, ça marche. L'URSS, c'était sublime. Oui, mais ça s'est tombé, c'est dommage. C'est dommage, franchement. T'en fais pas, Jésus. Bientôt, on l'aura, notre village autogéré. Marina Léda, ouais. On l'appellera Mathilda Léda. Salut la vieille Clémence Moulin, bonne nuit. Un cadre de 37 ans, bah cadre et anarcho-syndicaliste, c'est compliqué. Hein. L'anarcho-syndicalisme, ah bah. J'ai pas dit Esteban qu'il fallait pas qu'on purge dans nos rangs. Hein. Bon.
Exarchia à Athènes, ouais. On notera quand même le nom du magnifique Thomas Sankara pour cette citation, l'anarcho-syndicalisme à bas. Les hiboux prétentieux. À bas. Essayez pas de trouver des excuses. Bref, alors dites-nous, faites péter les questions, mais donnez-nous des suggestions de sons. Les punks à chiens, pour en fréquenter, sont pas mal cultivés quand ils sont pas bourrés. Bah, on n'a pas dû croiser les mêmes. Ou alors ils étaient tout le temps bourrés. Ou alors ils étaient tout le temps bourrés les autres. Non mais il y en a des ils sont intelligents là, la plupart du temps mais bon c'est un mode de révolte qui est quand même très très limité. En suggestion de son, je propose viande rouge de la hoye brestoise qui se pose niveau anarchostal. Les anars sont pas communistes économiquement à la base. Si. Bah, c'est pour ça que d'où le terme anarcho-communisme. Bon. Et on les envoie maraver du faf et du libéral. De qui? Les punks à chiens? Il y a Légion 88. Agdis, t'as envie de prendre la banne? Ils ont des chiens qui s'appellent 86 et 86 et kétamine. Bah ça tombe bien parce que la kétamine techniquement c'est un anesthésiant pour animal mais pour cheval. on va mettre du coup viande rouge. Alors pour expliquer à Sydney, ici tu es sur un live du courant narco-salinien, je sais pas si tu connais la page ou si tu es tombé dessus par hasard. Et on est en train de présenter ce qu'on va lancer, c'est-à-dire une semaine thématique. C'est-à-dire que toute la semaine, on va faire une semaine sur un thème qui est le thème des sociotraîtres. Et juste pour toi, une petite exclue de ce qui va sortir lundi, où tu pourras mentionner tes petits camarades qui sont des jaunes finalement. Et tu pourras les dénoncer au politburo. Voilà, voilà à peu près où t'es. Ensuite, pour ceux qui étaient là plus tôt et qui ont suivi la soirée, le grand œuvre de Féminisme et Sécateur et du camarade Raymond est terminé. C'est une œuvre au crochet sur une application Facebook, mais c'est une œuvre au crochet quand même. Au crochet de la société, voilà, qui est une représentation au crochet de Pierre Laurent. Et du coup, je vais vous la dévoiler maintenant. Attention, accrochez-vous à vos yeux là. Je sais pas trop comment dire ça. Hop, je vais vous balancer ça de suite. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, c'est de toute beauté. Voilà, je vous laisse admirer le paupière Laurent, effectivement. L'œil plein d'entrain prolétarien et révolutionnaire de Pierre Laurent fait au crochet. Voilà. Voilà Pierre Laurent. Tu peux demander à ta grand-mère de te. Comment pouvez-vous penser que cet homme soit méchant? Ça a été tricoté par une vieille. Non, elle est pas vieille. Regardez-le au crochet. Il est magnifique. Il est serein. Il est beau, hein? Il porte la révolution prolétarienne en lui. Cet homme n'a rien de mauvais en lui. On devinerait pas si c'est. Comment un homme pareil pourrait être méchant? Son regard, plein de gentillesse porté sur le monde et la jeunesse ouvrière de ce pays. Pierre Laurent? Non, c'est au crochet, c'est en fait une application Facebook pour faire du crochet sur l'ordinateur que j'affectionne particulièrement pour Stify. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ouais, mais moi je le veux en coussin aussi, Quentin. J'ai joui des yeux. Offrez-moi un kit à crochet. C'est possible ça? Je prends un screen et je l'accroche dans ma chambre après impression. On peut peut-être le mettre sur la page après. Hein. Bah, sur le Discord. Mieux, ce serait moins bien. C'est quoi la différence entre conseillisme et anarchisme? Oh putain, hey, Esteban, tu sais ce que tu fais? Je vais te remettre le lien du Discord, qui est une application donc de chat écrit et vocal. Et il y a une section de notre chat qui s'appelle Sérieux, où tu pourras aller discuter de ce genre de questions. Téléphone, non, Julien, faut pas déconner. Je vais vous rebalancer le lien du Discord. Je dois encore l'avoir. Toujours là, Julien Cazeneuve? Ouais, Julien Cazeneuve est toujours là. Hein. Ah merde, non, c'est pas le bon. Je me suis gouré. J'ai rebalancé Gilles Langoureux. Je vous rebalance le bon truc. Les gens, ils vont aller parler sur les commentaires de Gilles. C'est ça. Alors, je vais vous rebalancer le bon. Ça pourrait être rigolo.
Julien Cazeneuve, lis tes messages Facebook. Et donc, Esteban. Non, mais c'est que j'ai la flemme d'expliquer, Esteban. Et j'en suis à la cinquième bière, là. Bah, avec le Discord, j'entends pas mon micro. Cinquième bah, bière ouais, mondiale. C'est ça, c'est le principe, hein, faut que tu l'entendes ton micro. Oui. Reprends ta troisième bière mondiale. En bus, en train ou en T34, en vrai, il y a que 3 places, dont celle de. Il n'y a pas de place pour un déporté en fait. Comment on s'inscrit au Discord? Tu cliques sur le lien et normalement, il va juste te demander une adresse mail. La place pour le déporté, elle est sous les chenilles. Je disais téléphone car il y a un bruit de parasite. Oui, c'est Raymond là, il a son portable. Et ça fait tu. Voilà. Qui sera candidat aux élections anarchostales? On se présente pas aux élections, on prend le pouvoir, c'est tout. Et donc, Tony Stall, je disais, dans la T34, il y a que 3 places. En comptant le mec qui vise et le mec qui charge. Donc voilà. Les mecs qui font un stream sur YouTube et qui passent par un chat vocal obscur. C'est le futur, Discord. Oublie TeamSpeak, oublie Skype, Forcify, Mumble, Mumble, t'oublies, pareil. Sinon, il y a un super article du Monde que je vous recommande. Le libéralisme est une valeur de gauche. Ça vous ferait plaisir. Non, bah on l'a déjà vu passer, on n'a pas envie de le lire, en fait. En fait, pas plus de 5 envies de meurtre par jour. Bus ou train? Bah, train, il y a une gare à Vierzon, c'est plus simple. Les services publics, tout ça. Alors, on va reprendre. Il y a Julien qui nous dit qu'il a rien reçu sur Facebook. On va reprendre des questions. De quoi Jésus, oui. Ah, il dit ça dans... Je pense. Ah, de Raymond. On va reprendre des questions. Sur le courant ou pas d'ailleurs. Et on va reprendre ensuite des suggestions pour la musique. Et si vous voulez, nous pouvons à nouveau animer un débat avec Raymond en attendant. Sinon, Raymond et Mrs. Gray peuvent vous refaire un débat sur Pierre Laurent. Non, d'autres sujets. Voilà. Dites-nous un sujet, on vous fait un débat. Ok, alors on va faire un challenge. Vous décidez d'un sujet de débat et Raymond et Mrs. Gray vont vous le faire. Voilà. Je faisais ça avec Malik. Et si Julien Cazeneuve, t'as reçu quelque chose? Ah, apprends à utiliser Facebook. Ah. Si je laisse pousser mon bouc, est-ce Toto? Oui. Non, je crois pas. Si, Goulag. Non, c'est trotskiste. C'est plutôt trotskiste que Toto, hein, le bouc. Bah après, ça dépend de quel bouc, parce que moi, je vais te dire, en Berry, il y a des boucs. On les met avec les chefs pour faire des petits. C'est plutôt une bonne situation d'aimer Pierre Laurent ici. Bah, bof quoi. Oui. Un débat sur la gauche plurielle. T'as envie d'aller au goulag toi. Je crois qu'il n'y a pas de bonne. Parle pas des sujets de kiffage. Non mais trouvez un truc drôle les gars. Le rôle des saucisses de Toulouse dans une révolution potentielle dans la Creuse. Ah parfait. Excellent. Voilà, bon. Vous le faites maintenant en direct là? Ah oui. Ok, bah c'est débat alors. Très bien. Donc, nous allons commencer le débat. Donc, je rappelle le sujet. Le rôle des saucisses de Toulouse dans une révolution prolétarienne dans la Creuse. Et donc, pour ça, nous allons faire appel à une grande spécialiste de la révolution prolétarienne dans la Creuse, qui est Mrs. Gris. Voilà, donc, que pouvez-vous nous dire sur ce sujet? Bonsoir. Tout d'abord, donc, il faut savoir que, vous savez, l'expression « ça creuse quand on a faim », ça vient de la Creuse. Il s'avère que les Creusois sont un peuple particulièrement affamé en toutes circonstances. Ils ne peuvent donc pas lancer de révolution s'ils n'ont pas leur quota de saucisses de Toulouse à table. Le rôle des saucisses de Toulouse... dans une révolution potentielle dans la Creuse, est donc essentiel, car les Creusois ne sauront se lever s'ils n'ont pas mangé leur quota de saucisses de Toulouse. Voilà. La réforme du travail est plus marrante. Est-ce qu'on te demande de faire une blague? T'es drôle, toi, Esteban? Fais une blague. Fais une blague, Esteban. Est-ce que t'es drôle? Hein?
Non? Ben voilà, tu la fermes. Donc les saucisses de Toulouse dans la Creuse, c'est important. Voilà. Il faut savoir qu'à Toulouse, les saucisses ont été inventées à l'époque avec donc des boyaux de porc pour tenir la chair. Mais le goût spécial de la saucisse de Toulouse vient du fait que les boyaux de porc étaient utilisés à l'époque comme préservatif. Voilà. Donc c'est le côté un petit peu spécial crémeux de la saucisse de Toulouse qui fait que la révolution est possible. Voilà, je rends l'antenne. Bonne soirée. Vous avez kiffé les jingles France Culture ou pas? C'est une forme d'assimilation culturelle à portée de la saucisse de Toulouse dans la Creuse. Mais t'es con avec 10. Vous êtes des colons. Non. Bah reste tranquille avec 10 ou on va te cliquer. Hein. Des gros colons. Mais que se passe-t-il ici? Nom de nom. C'est un live anarcho-stalinien. C'est-à-dire que c'est très autoritaire mais c'est complètement bordélique. Le timbre de voix de France Culture. C'est à moi ? Bah ouais, je pense que c'est pour toi, Gris. Je suis touché, j'anime souvent. J'aime beaucoup une analyse très intersectionnelle, Quentin qui veut foutre la merde. J'en suis convaincu. Et vaincu, ça laisse pas mal d'opportunités pour la société de Toulouse notamment. Bon, est-ce que vous avez des questions maintenant qu'on a fait le débat ? Quel est le but ? Goal ! Ah, alors, Tony Stahl se répète, mais quand même, elle avait une super blague. Je pense que Julien Cazeneuve sera d'accord avec nous. La lingerie, c'est un sujet qui fait débat, non ? Lalalala. Elle nous précise, si vous me cherchez, je suis déjà au goulag. Voilà. On a un ou deux comiques par soirée, et ce soir, c'est Tony Stahl et c'était Tristan tout à l'heure qui était en forme, mais Tristan, je crois qu'il est parti. Est-ce que c'est une dimension politique? C'est de l'autodérision, si tu veux. Oh, Victor est arrivé, les blagues sont là. Alors attention, je vous préviens, Victor Féminin est sur il le chat. Voilà, il fait des blagues sur... Et il fait des blagues exclusivement sur Christian Piquet. C'est une forme de paraphilie très rare. Il fait des blagues uniquement sur gauche unitaire, ce qui reste de gauche unitaire. Pour autant que c'est jamais existé d'ailleurs, gauche unitaire. Gauche unitaire, ça n'existe plus, ils sont partis. J'aimais beaucoup sa blague sur Foucault. Oui, moi aussi j'ai beaucoup aimé, Quentin. Esteban, tu le quittes pas, tu mets 5 minutes de ban. Victor commence fort. Victor est toujours très fort, Harry. Alors, je sais pas si tu étais là la dernière fois, mais il est très 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 fort. Voilà. Et quand, avec Fef, ça va être horrible. C'est pas du cynisme, ciné, on s'amuse, nos propres préférences. Il faut. De temps en temps, faut arrêter de se prendre au sérieux. Et la marmite, bien joué, qui vient de... Julien Cazeneuve vient de dire « Je valide cette vanne » et la marmite a répondu « Pas de validisme ». Bon, est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on passe directement à la... Non, est-ce on n'est pas fiché S. Non, on n'est pas fiché S encore. Si, moi aussi. Nous sommes tout simplement géniaux. Oui, tout à fait. Mais on n'a pas besoin d'être fiché S pour rester chez nous. En fait. Oui, c'est pas faux. Donc, est-ce que vous avez des questions à nous poser ou est-ce qu'on passe directement à la suggestion de ce qu'on devra écouter par la suite? Ne serait-ce pas une forme de discrimination par rapport à la saucisse de morto? La mortophobie, on n'en parle pas assez, Julien Cazeneuve. Non, mais... passe-moi le micro, s'il te plaît. Je vous suis depuis le début... Attends... Seconde. Je vous suis depuis le début sur Facebook, mais je me demande si ce n'est pas condescendant envers ceux qui luttent sans cynisme. On n'est pas cynique, hein. Là on s'amuse, mais quand on lutte, on n'est pas cynique. Voilà. Nous faisons une intermède France Culture sur la mortophobie. Avant ça, Skyrock, premier sur le rap, cynique et Diams, qui a trans et sonne, mais... Voilà. Donc la saucisse de mort, Julien Cazeneuve, a son importance la révolution, notamment sur le drapeau soviétique, la faucille et la morto. Voilà, c'était tout. Merci, vous êtes bien sur France Culture. Sinon, vous n'êtes pas seulement une bonne page troll sur Facebook,
À la base, on est des militants IRL qui se connaissent IRL, en fait. Ophélie Winter, c'est hors de question. J'ai fait un grand bond d'edge en avant. Petit cochon, va. Je le savais que t'étais un petit cochon, Tristan. Je cherchais la... Allez, wow. Tu mets Panama All-Star. Non, je mets pas Panama All-Star. Il y a une suggestion de son depuis tout à l'heure qui revient. Oui, mais il y a quelqu'un juste avant lui. Après, on mettra le truc de Jésus. Mais Jésus suggère beaucoup quand même. Hein. Oui, je trouve qu'il suggère beaucoup trop. Victor Jara de Monsieur de Fef. Ceci n'est pas un film sur le cynisme. Sur le cynisme. Sur le cynisme. On va mettre du Victor Jara. Jara. Je sais pas comment on accentue en espagnol. Qu'est-ce qu'on met? El derecho de vivir en paz. Voilà. Au pif. Sur une suggestion de pouf pouf Monsieur Fef. On va suivre la suggestion de Margot, mais on va mettre Soviet Suprême. Oui, mais on l'aime pas beaucoup, Margot, quand même. Ouais, mais faut faire semblant, wesh. Attends, on est chez elle le week-end prochain. Je vais prendre Alex Mille et je reviens. C'est l'enfilou. Alors, oui. Par contre, ça met juste un petit peu en PLS l'ordi de passer le clip directement comme ça, mais. Victor qui nous a encore fait une blague sur Piqué. Est-ce que vous avez des questions ou une autre suggestion de son? Ou une déclaration solennelle à faire? Salut Charlie Hugo, tu as enfin pris une photo de profil depuis le temps. Salut Melvin qui était là au premier live. Ouais, ça parle encore de Piqué. Et devine quoi, c'est toujours le même. Je suggère du Céline Dion. Oui. Fancify, tu vas aller au goulag. Oui, Céline. Est-ce que Céline ça. Céline. Céline Dia. Oh mon mari René. Est-ce que je peux. Est-ce que je peux Théo Fancify? Non. Oh. N'empêche, 5 minutes là, on l'entend plus le Esteban. Ouais, j'avoue. Ah, tu l'as Théo le Esteban? Ah, oui, d'accord. Okay. Du rap. Grave. Ouais, Céline Dion. Il y a Julien qui voulait qu'on passe Goulamaska. Je passe mon verre. Je lève mon verre. Je vais commencer à le chercher. Je vais essayer. Je suis pas sûr de pouvoir le trouver sur YouTube, ton truc. Je regarde Quentin. Quentin, regarde ce qu'il nous suggère. Parce qu'en fait, Quentin, je peux pas ouvrir Facebook là. Sinon, mon ordi va se mettre en PLS. Je suis dans le goulag du squag avec Cher et Michel Delpech. Putain, ça en veut du lourd. On regarde la chanson à Quentin. Cher de Sonny et Cher. Non. C'est quoi? Du changement ce matin. Quentin, goulag. Variante. La révolution n'est pas un tract de NPA. Bah ouais, on s'était rendu compte, Tristan. Il y a un message de Céline absente, je l'ai vu, mais du coup, il faudra que tu regardes quand même. Un message de Céline absente pour Nice. Ah oui, alors, oui. C'est l'aîné, on a reçu ton MP, on va regarder ça demain. Ou ce soir, on verra bien. C'est vrai qu'elles ont l'air bonnes, c'est super. Les Français sont persuadés que vous avez tous des chemises rouges à carreaux, c'est la faute des Monty Python ça. Quoi? C'est pas rouge. Ils ont pas la cam, ils peuvent pas comprendre la blague. Bien, est-ce que vous avez des questions? Le Polybureau est là pour répondre à vos questions dans la mesure du possible. On peut mettre Always look on the bright side of the life. On va le mettre après la question de Céline. Hey, je peux transférer Céline sur le sur le vocal là si je veux. Bah si elle a un micro, propose-lui. Je lui propose pas, je veux pas de force. Charlie Trio pendant qu'on est. Non, Trio c'est hors de question. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai transféré. Sur le Polybureau? Céline, est-ce que tu as un micro? Vous devez regarder soit l'intégrale du discours de Jean-Marie Le Pen, soit l'intégrale de Kev Adams. Je pense que je me suicide avant en fait. J'ai remis là-bas parce que je crois qu'elle parlait à un mec et le mec il parlait tout seul, il était brillant. Attends, parce qu'il y a. Ok. Bah, dis-lui, désolé, je m'amuse. Désolé, Céline, on verra plus tard pour te faire passer en live. Parce que là, il y a un petit problème. Non, mais je peux, hein, si elle veut. Dis-moi.
Bah, c'est Jean-Marie Le Pen en train de chanter des chansons de Noël. Non, on avait dit que, si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer Always Look on the Bright Side et, des Doors. Non, des Doors, n'importe quoi. Ah, de Jésus. Merde. Oui. Comment ça me pique au vif, putain, Victor, arrête-toi. Il était pas parti piquer un somme ? Bah non, il est pas parti piquer un somme, le Victor. Mais du coup, quelle mouche l'a piqué, en fait ? Ah, quelle mouche a piqué Victor ? Attention. Goulamaska, je lève mon verre. C'est aimé, elle parle plus du tout. Allez, on l'a. Elle veut pas parler avec nous. Genre, ils vont péter la cabirette. Il va y avoir un débat ensuite qui va suivre. D'abord, je vais mettre le lien de ce chef-d'œuvre absolu dans le chat. Au goulag le chat. Bah non, pas tout le chat quand même. On fait pas la révolution qu'avec des goulagisés, s'il te plaît. Il faut quand même les éduquer. Et du coup, le thème va suivre donc un débat sur le thème moustache et pipe en bois, symbole du stalinisme. Je laisse la parole à Raymond des Brigades Rouges Berrichonne. Et à Mrs. Gris de Féminisme et Sécateur. Eh bien, tout d'abord sur France Culture, pour démarrer ce débat sur moustache et pipe en bois, symbole du stalinisme, la parole est à Mrs. Gris. Oui, bonsoir. Mon nom ne sera pas sans vous rappeler la moustache grisonnante de ce chanteur à la voix posée et pâteuse et à la guitare fort bien accordée, Georges Brassens. Voilà. Georges Brassens n'avait pas seulement la moustache, mais il avait aussi la pipe en bois. Je lis pas le chat en même temps, on va éviter. Donc, la moustache et la pipe en bois ont fait de Brassens, malgré lui, car il se disait, bon, c'était la mode à l'époque, anarchiste. Voilà, l'anarchisme, un effet de mode. C'est un autre débat que nous aurons lundi à 15h, sur 15h comme 15 ans, l'âge de l'anarchisme. On l'est tous quand on a 15 ans. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez sortir cet homme qui perturbe l'émission. Voilà, donc... lundi à 15h sur France Culture, anarchisme, et je sais plus, effet de mode, voilà. Donc Georges Brassens était un stalinien, et d'ailleurs il a donné naissance à un fils, c'est son fils caché, nous vous le révélons ce soir. Je vais d'ailleurs passer la parole à un spécialiste pour vous parler plus amplement de cet homme qui est son fils caché de Georges Brassens, vous l'aurez reconnu, André Chassaigne. Oui, en effet, on ne pourrait en parler sans rappeler les paroles de cette magnifique chanson. Il avait de belles moustaches, le sourcil noir, le regard clair, un peu bourru, un peu bravache. Pour nous, c'était presque un père. Joli cœur sous une peau de vache, grand-père sans en avoir l'air, révolutionnaire sans tache, oui, Staline est exemplaire. Et André Chassaigne est aussi exemplaire. André Chassaigne, c'est le symbole du stalinisme au XXIe siècle. Il a toujours cette moustache bien fournie, bien brossée pour annoncer son vote. Contre l'état d'urgence, contre... Parlons-en de l'état d'urgence. Contre la future loi travail, dont on ne doutera pas qu'il ne saura nous décevoir là-dessus. André Chassaigne, c'est aussi... C'est aussi cet accent du terroir qui n'est pas sans nous rappeler celui qui fut
sans doute le précurseur du stalinisme, le précurseur de la moustache, le précurseur de la pipe, et cela remonte dès le Moyen-Âge avec ce brave paysan qu'est Guetno. Et André Chassaigne s'inscrit dans la lignée de tous ces hommes-là. Toujours la moustache, toujours la pipe, et finalement, c'est tout ce qu'on demande. Pipe moustache, pipe, pipe, pipe moustache, pipe, pipe, pipe moustache. L'idéologie d'un homme des Lumières, conçu comme son propre fondement. Maurice, eh bien, ce discours. Non, non, laissez-vous. Non, 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 Abdel Rahman Daffri. Abdel Rahman Daffri. Laissez-vous. Non, non, 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 Abdel Rahman Daffri. Voilà, c'était la réaction des anarchistes à la suite de ce débat. Du coup, le cuir est-il aussi un symbole? Je ne sais pas. Ah, mon frère, il fait de la batterie, il en a des symboles, sachez ce que c'est. Ah, j'espère que vous avez apprécié cette soirée France Culture, n'est-ce pas? Alors, comme tout à l'heure, on va reprendre des questions que vous allez nous poser, si vous en avez à nous poser. Et ensuite, on reprendra vos suggestions de musique, sachant que la prochaine qui est calée... Et pourquoi YouTube est en PLS? La prochaine qui est calée, c'est Vacances en Albanie, qui nous est proposée depuis à peu près 2 heures par Tristan Desmolder, pardon. Il a qu'à avoir un nom plus simple. Voilà. Donc nous cédons aux menaces du lobby Picard. Nous attendons vos questions, ensuite vos suggestions de son, et on reprend. Calme. Au calme. Au calme. Au calme. Bon, s'il n'y a pas de questions, après on va mettre directement en vacances en Albanie, ça vous remet du peps, vous allez comprendre. Sinon on peut refaire un débat. Pas de soucis, les menaces. Il après nous on suffit met d'un Wannabe. Sujet pour débattre. Quand non, tu mais dis Wannabe, pas... Charlie, tu penses au Spice Girl. Edoui Plenel est-il staliniste? Oui. Bah non. Non, il n'est pas staliniste. Il est stalinien. Plenel, stalinien, je crois pas. Hein. Début de soirée, nuit de folie. Non. Parlez coréenne. Si, si. Si. Parlez coréenne. Ah oui, parlez coréenne. Non, non. Par contre, on nous a proposé de prendre pouvoir sur moi, Mélenchon. Je pense qu'on peut la passer ensuite. Bah alors, tu diras mieux le titre. C'est Jean-Luc, pas Mélenchon. Oui. Oh, mais l'Estonistal tranquille. Donc on va mettre. Moi, Jean-Luc, ah, je veux que tu Jésus sois... peut-il être considéré comme un leader socialiste? Nous demande Jésus. Ah, il fume si la pipe pleine. Veut bien être crucifié, oui. Donc au cas où vous l'auriez pas entendu, si tous les socialistes veulent bien être crucifiés, oui, Jésus est un leader socialiste. Voilà. Maintenant on va embrayer avec Vacances en Albanie, dont les auteurs m'échappent. Oh, vacances, j'oublie tout. Et ensuite, on continuera à débattre, si vous voulez, du socialisme et de Jésus, mais pas très longtemps, parce que c'est chiant, quand même. Non, Vegeta, il est trop blond. Vegeta est trop blond. Vacances, vacances, vacances. Excuses et nos condoléances aux épileptiques. Son Goku prône-t-il la théorie sur la race aryenne en prenant volontairement des cheveux blonds et des grands yeux bleus à chaque combat? Là, c'est du débat. Ah oui, oui, oui. Est-ce que Son Goku est un nazi? Je pense que oui, clairement, clairement. Est-ce que les nazis ont des queues de singe? Est-ce que les nazis ont des queues de singe? Ce sera le thème du prochain débat. Oui, d'ailleurs, parce que... Oui, les nazis ont des queues de singe, parce que, voyez-vous, dans Jumanji, le gamin qui se transforme en singe n'est autre qu'Adolf Hitler. Après s'être sauvé en Argentine,
et ayant fait des cures de jouvence dans les cascades d'Amérique latine, il a vachement rajeuni. Et donc il est allé ensuite aux États-Unis, il a entamé sa carrière d'acteur et rentré dans le scénario de Jumanji. Ils n'ont pas eu besoin de beaucoup d'effets spéciaux pour lui faire une queue de singe parce que Adolf Hitler est un Saïen et donc un nazi et il a une queue de singe. Voilà. Les Schtroumpfs sont-ils anarcho-stal ? Non, il n'y a pas assez de meufs, il n'y a pas la parité. Il n'y a pas assez de meufs, il n'y a pas la parité. Tu me diras au courant anarcho-stal non plus, il n'y a pas la parité. Bien, est-ce que vous avez d'autres questions ou suggestions de son ? Aujourd'hui, on l'appelle Donald Trump. Oui, c'est réincarné par contre. Il est toujours blond. Enfin, il est toujours blondé. Mais il n'était pas blond, Hitler ? Bah, En Super Saiyan, si. Ils sont sexistes surtout, qui ça ? Les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs, qui ça ? Oui. D'un autre côté, tous les Albanais ont une dette envers Hoxha. Nous avons une super blague là. C'est quoi ? D'un autre côté, tous les Albanais ont une dette envers Hoxha. C'est la blague de la soirée. Bravo Tony Stall, tu viens de gagner une médaille là. Je pense que cette blague peut être validée. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions de son ? Et avant tout ça, je vais vous faire un rappel de pourquoi on est là quand même ce soir. C'est que sur le courant anarcho-stalinien, likez la page si vous ne l'avez pas déjà fait. On va lancer la semaine spéciale socio-traître. Et je vais vous remettre... Je vais vous remettre la magnifique image. Si j'y arrive. Donc, le magnifique visuel qui va sortir demain soir, qu'on vous invite à utiliser à tort et à travers, quand je l'aurai retrouvé. S'il voit tous tes documents. Oui, non, c'est pas grave. Il n'y a pas grand chose. Mais, sauf que je n'arrive pas à retrouver. Hop. Voilà. Donc, ce magnifique visuel mentionne un social traite où vous pourrez dénoncer vos camarades sur Facebook de manière à ce que le Politburo puisse faire de magnifiques listes qui lui faciliteront le travail au le moment venu de la révolution. N'hésitez pas si vous avez un proche perdu ou un ami, simple ami Facebook perdu à l'UNEF qui s'est syndiqué à la CFDT sur un coup de tête ou qui est au PS en sachant pertinemment ce qu'il fait. Et merde, je vais me faire taguer toute la semaine. Eh ben, tu sais quoi ? À la limite, on devrait te goulagiser tout de suite, Renaud Selim Sanli. Allez-vous le voir, le film Merci Patron ? Il passe en mai chez nous. Avec le réalisateur. Avec le réalisateur et tout ça. Donc on, pour le moment, on ira le voir quand ça passera avec le réalisateur. C'est en mai au Carme. Un ami qui est au MJS. Oui, tu peux le taguer aussi, Quentin. Aucun problème. Mais du coup, comme c'est ton ami, bah toi aussi, il faudra te taguer. Ah, j'ai un poil. Aquitaine, Poitou, Limousin. Tu peux aller à la CFDT sur un coup de tête. Je savais pas qu'ils étaient aussi violents, les mecs. Non, c'est une image. Coup de tête, ils le mettront jamais. Je préfère la LCR. C'est l'année absente. Oula. Si tu commences à faire des trucs comme ça, tu l'auras jamais, ton comité anarcho-stal de Nice, hein. Toi aussi, vote l'abolition de la majorité sexuelle. Qui a fait ça ? Quoi ? Non, ça c'est de la merde, ça. C'est pas la LCR qui avait décidé ça, il me semble pas, hein, c'est l'aîné, mais tu peux... peut-être que j'ai tort, pour le coup. L'abolition de la majorité sexuelle, c'est une très mauvaise idée. Et pourquoi est-ce qu'un homme de 80 ans ne pourrait pas vivre son amour avec une enfant de 6 ans ? Mais parce que... parce que c'est dégueulasse, enfoiré. Je savais que l'ARS Combat, par exemple, avait des dépositions dégueulasses en matière de féminisme. Je savais pas, par contre, que la LCR était contre la majorité sexuelle. C'est le FHR qui a dit ça, Quentin ? Ça m'étonne que le Front Homosexuel Révolutionnaire dise ça. La LCR, si t'es communiste et pédophile. La LCR, ça n'existe plus, d'ailleurs. Ça s'appelle le NBA, maintenant, je vous rappelle. Et c'est bourré de communistes pédophiles.
D'ailleurs, Philippe Poutou, qui est bien connu. Hors de France. C'est le FHR, d'accord. C'est chelou comme revendication de la part du FHAR. Tu fais pas des blagues comme ça à porter le micro, s'il te plaît. La société de pédérastie. T'as Cressol, entre autres, qui revendiquait cela. Ah oh, putain. Ah, c'est chaud. Surtout que les antispécistes sont contre les ours, donc contre Pédobert. Oh non, les antispécistes, on va les laisser où ils sont. Mais Pédobert, il est mignon. Au goulag. Les antispécistes, on en a soupé. Ah. On l'a mis à côté des trotskistes tendance CCR dans nos catégories casse-couilles sans humour. Enfin, casse-couilles. Casse-couilles, casse-au-vert, casse ce que tu veux d'ailleurs. Casse-gonade. Casse-appareil génital, même si t'en as pas un, il te le casse quand même. Voilà. Bah oui, mais les gonades, c'est très bien. Alors on aime bien les Lillois, mais on foutra le feu à la région quand même, un coup de napalm. On aime bien les Lillois. Ouais. Est-ce qu'il y a toujours des Lillois dans la place? Est-ce qu'il y a toujours des mecs du Schnorr? Parce qu'on vient d'apprendre qu'il y avait des jumeaux qui venaient de naître dans le Nord et leurs parents les avaient appelés Jackie et Michel. Il va falloir que vous répondiez ça devant un tribunal révolutionnaire pour tous vos frères, hein, je vous préviens. Pauvres enfants, bah ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions de son, n'importe ? Des sujets de débat. Des sujets de débat. Au final, ils râlent quand on fait le débat, mais ils finissent toujours par proposer un sujet. Je vous trouve un peu fermé sur le coup. Bah, ouais, c'est chaud quand même. Hein. Qui est le père et surtout qui est la sœur? Tony Stahl. C'est dégueulasse. C'est du racisme anti-ch'ti, Tony Stahl. C'est pas possible de dire ça. Non, enfin, on sait tous que c'est vrai. Est-ce que vous avez une suggestion pour un interlude musical? Ou est-ce que vous avez une question? Du débat. Ou un sujet de débat, mais c'est pas forcé. La morale, c'est bourgeois, certes. Bah comme mes... chaussures. Oui, mes chaussures sont bourgeoises, alors. M.A.P. J'ai pas fait de blague sur inceste parce que je savais que quelqu'un allait faire à ma place. Bah ouais. M.A.P. M.A.P. On va mettre M.A.P. M.A.P. On va bien voir ce qu'on va trouver comme pont à mettre. Fallait pas l'inviter, gros. Ah merde, M.A.P. J'ai perdu ma souris. Balle populaire, ça ira très bien. Allez, hop. Bah tiens, en parlant de Lillois, il a fait profond. Sardou. Et donc on repart sur M.A.P. balle populaire. Sardou. Non, pas Sardou. 1, 2, 3, après sans avis musical. Alors Troll Pixel, c'est quoi cette histoire d'entrisme qui passe à découvert au PS là? Sinon, on peut débattre et insulter Marceau, nous propose Quentin. Et donnez-nous un sujet de débat France Culture et nous arrivons, nous sommes là, nous. Toujours chaud. Marceau pour vraiment pourrir sa page, il faudra être beaucoup plus nombreux parce qu'il a pas mal de. Il y a pas mal de mecs qui le suivent quoi. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser au Politburo? Parce que là, on est entré dans le. Dans le dernier quart d'heure. Est-ce que vous avez quelques dernières questions et une dernière suggestion de son et après nous on va s'arrêter parce que mine de rien il y en a qui sont salariés, faut pas croire. 4 heures de live. 4 heures de live quand même, ouais. Il y en a qui sont étudiants, on ne pense pas. Les étudiants ça sert à rien. Les étudiants ça sert à rien. C'est une blague, pas la gueule.
Toi, tu vas aller au goulag. Hein. Non, j'irai pas au goulag. On a dit on se goulag pas entre nous. Un débat sur Philoche, s'il vous plaît. Oh, vous êtes rentier. Non, je suis chômeur, c'est pas pareil. Ma rente, elle va s'arrêter au bout d'un moment. Nous aussi, c'est les nés absinthe, on les hait, les mecs. Est-ce complotiste de dire que la LCR puis NPA étaient financés par la SIA afin de former des capitalistes à faire de l'entrisme au PS? Oui. Former des capitalistes pour faire de l'entrisme au PS? Non, mais financés par la CIA, oui. Pour le dernier son, un live de la Ligue à Léon. Ben, on a cherché sur YouTube et je suis pas sûr qu'on la trouve, la Ligue à Léon. Non, en fait, je sais déjà ce qu'on je sais déjà ce qu'on va vous mettre pour comme son de fin. Ça sera et j'ai crié Staline pour qu'il revienne parce qu'il y a vraiment un groupe de punk qui l'ont fait ce son. Voilà ce qu'on va mettre. Et non, c'est pas complotiste de dire que le NPA était financé par la CIA. Hein. Dès que tu vois bah chanter en cœur, ouais, mais non. Soi. En fait, t'as qu'une volonté, c'est de me castrer. Hein. Bah, sauf si vous voulez chanter, hein, mais bon. Ça fait 4 heures qu'on est en live. Oh, on fatigue. Raymond chante vraiment bien la Ligue à Léon. Mais ouais, mais on a des voisins aussi. Hein, Nous avons des voisins prolétaires qu'on voudrait pas réveiller. C'est Charlie Hugo qui a dit que tu chantais vachement bien la Ligue à Léon. Tu dis pas ça par contre. Alors, Raymond va partir au goulag. Bien. Hein ? Demande à Charlie, il veut bien. Oh, ça arrête ça, s'il te plaît, par contre. Y a pas Claude Aimé en plus. Oui, mais c'est une expression. Non, c'est pas une expression, tu dis pas ça. Bref. Alors, pour la fin, on vous mettra j'ai crié Staline pour qu'il revienne. Est-ce que, excepté sur des. Toi, tu veux bien. Mais toi, on n'aura pas le son, Charlie Hugo, t'es mignon. Officiel. Et pas aussi Macnopchina. Je veux bien que Raymond me fasse l'amour copieusement. Et vous voulez pas faire vos cochonneries ailleurs que dans notre chat, sérieusement là. On peut oublier que c'est on a des smiles. J'ai un micro, mais je sais pas c'est quoi la Ligue à Léon. Est-ce que tu vois la chanson paillarde la digue du cul? Il me semble que c'est ça. Hein ouais. Ouais. C'est la digue du cul de base. Est-ce qu'on va vraiment l'enregistrer? Sinon tu passes la digue du cul. Le micro, hein. Ah ok, je vais leur passer le micro et ils vont vous le faire. C'est un live anarchostal ce soir avec une session acoustique. Enlevez-la pour pas que ça braille. Je milite à Nanterre, mais j'habite à Neuilly, la Ligue. Mais j'habite à Neuilly, la Ligue à Léon, Trotsky. Ma couleur c'est le rouge, celle de ma Ferrari, la Ligue, celle de ma Ferrari, la Ligue à Léon, Trotsky. J'ai un t-shirt du Che, mais je sais pas qui c'est la Ligue. Mais je sais pas qui c'est la Ligue à Léon, Trotsky. J'ai mis l'usine en grève, papa n'est pas content, la Ligue, papa est pas content, la Ligue à Léon, Trotsky. J'ai gravé mort aux riches, sur le château de papa, la Ligue, sur le château de papa, la Ligue à Léon, Trotsky. J'aime pas les communistes, c'est tous des ouvriers, la Ligue, c'est tous des ouvriers, la Ligue à Léon, Trotsky. Je veux faire un parti de masse, mais les masses elles veulent pas la Ligue, mais les masses elles veulent pas la Ligue à Léon, Trotsky. J'achète l'humanité, pour ma grande cheminée, la Ligue, pour ma grande cheminée, la Ligue à Léon, Trotsky. Oh, je suis dans la quatrième,
Fortune plus riche du monde, la Ligue, la Ligue. Fortune plus riche du monde, la Ligue à Léon, la Ligue à Léon, Trotsky. Voilà, voilà. Peut-être la... Oui. J'ai pris un coup de piolet, j'ai pris un coup de piolet, je l'avais bien mérité, la Ligue, la Ligue. Je l'avais bien mérité, la Ligue à Léon, la Ligue à Léon, Trotsky. Ah bah en ce cas... Au Mexique, terrible Mexique, Léon est mort ce soir. Et les stalles, tranquilles s'installent, Léon est mort ce soir. Ah oui! À coup de piolet, 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 à coup de piolet. Oh oui! C'était génial, c'était que de l'amour. C'était le courant anarchostal. C'était le courant anarchostal en unplugged et en acoustique, rien que pour vos oreilles. On se produit à la fête de l'UMA, dans les manifestations, ça dépend combien de bières on a. Voilà. Et bientôt en live devant le stand du NPA à la fête de l'UMA d'ailleurs. Ah oui, ah, oui. Ça c'était déjà la dernière fête de l'UMA. Voilà, voilà. Alors, il est 23h52, on va s'arrêter à minuit. Du coup, on va peut-être s'arrêter peut-être même un peu plus tôt. On va vous mettre un chef-d'œuvre. C'est une chanson que tous les stalles ont rêvé d'entendre et il y a un groupe de punk qui l'a fait. Est-ce que vous voyez Aline de Christophe? Et j'ai crié Aline pour qu'elle revienne. Et pas de ce gros con de Christophe. Ça servait à rien ça. Du coup, c'est « Et j'ai crié Staline pour qu'il revienne ». On va vous la mettre tout de suite.